Mesdames, mesdemoiselles, gros bisous à vous et vous, messieurs. Je vous serre bien la main amicalement, votre ami Franck Albert et amicalement aussi Papy Franck. Comment tu vas, Papy Franck ? Je vais très bien. On se parle juste après ça. Eh bien, rebonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Papy, j'espère que tu vas bien, Papy Franck. Je vais très bien et toi ? Oui, je vais très très bien, merci. En tout cas, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà. Alors, j'ai vu que... moi, je suis en pleine forme aussi. Enfin, à peu près en pleine forme, on va dire. Mais oui, je me suis lavé ce matin. Je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner. Je me suis lavé mon petit ventre et mon petit nombril. Mais sinon, à part ça, je suis en pleine forme. Et t'arrêtes de regarder, maman, j'ai raté l'avion. J'étais faire du shopping aussi, bon, très bien, avec ma Ferrari. Bon, très bien, ah, un snob, mais non, on a Franck. Non, non, vous inquiétez pas, je serai jamais snob, hein. Ça c'est sûr, j'aime pas parler comme ça. J'ai beaucoup d'argent, j'ai touché mon salaire. Eh ben, c'est bien pour toi, Franck. Ah, franchement, ce Franck-là, il mérite même pas mon respect. Franck, t'arrêtes d'être un petit peu un snob. Je suis pas snob, je suis riche, je vis à Monaco. Ah, d'accord, c'est ça, oui. Je vais me balader sur Nice bientôt. Ah, d'accord, ok, non. Évidemment, c'est une blague. À part ça, j'espère que vous allez bien, c'est pour vous faire rire. Et j'espère que vous portez bien. En tout cas, moi, je suis très content. Bientôt, des nouvelles imitations sur ma chaîne YouTube. On va mettre des vidéos avec des imitations que je ferai peut-être. On va voir un peu ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira. J'en avais déjà fait quelques-unes, mais on va refaire ça. On va essayer aussi de faire de l'extérieur. Je vais essayer. Ça ne va pas être évident. Je ferai du live en direct, mais dehors quand il fera beau et chaud. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis à peu près bien, on va dire. Voilà, un peu fatigué. Voilà. Je me promène souvent. Je prends souvent mon vélo. Je fais beaucoup de vélo dehors parce qu'il fait un peu chaud. Bon, ben, j'ai mon vélo d'appartement aussi. Enfin, en ce moment, je ne fais pas trop de sport. Et pendant le confinement, c'est vrai que j'avais pris quelques petits kilos. Il va falloir un peu le perdre. Hein. J'ai 3 kilos de trop là. Il va falloir. Boum, boum. Je ne suis pas énorme non plus. Hein. Faut pas exagérer. Et oui, il faut que tu fasses du sport et que tu boives beaucoup d'eau. Oui, je sais, je bois pas d'alcool. Hein. De temps en temps, un petit Jack Daniel. Bon, ça va, Franck. Ça suffit. Le troisième fois. Tu le laisses tranquille, Franck 2 ou Franck 3. Ouais, t'as raison, papy. Et alors, je fais ce que je veux. Ouais, d'accord, ok. Eh ben, écoute, j'espère que tu vas. Bonjour, Franck. Ah, mais c'est qui? Eh ben, c'est Sarkozy. Ah, monsieur Sarkozy, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous me voulez? Eh ben, écoutez, moi, je voulais te dire que je voulais te faire un petit bonjour. J'espère que tu vas bien, hein. Oui, oui, je vais très bien. Bon, c'est pas la joie en ce moment dans notre pays. Hein. Il y a les joueurs qui sont au chômage, la police qui tape sur les gens. Eh ben, on est gâté avec ça. Bon, bref, on va pas en parler. Non, mais ça, c'est tout à fait vrai. Mais bon, enfin, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, ben, on s'en fout. Voilà. Au revoir, monsieur Sarkozy. J'étais content de vous voir. Vous pouvez repartir avec votre femme, la Bruna, Bruni, ou je sais pas comment. C'est Carla Brutti. Ah oui, Carla Brutti, oui. Tu sais que moi, je suis le magouilleur, manipulateur. Bon, vous vous taisez, Sarkozy, on s'en fout. Mais non, mais je m'en fous pas, je voulais te le dire. Non, mais moi, je m'en fous, voilà. Bref, en tout cas, je suis très content de vous retrouver. Sarko qui vient me casser les bonbons au moment où je vous fais une petite vidéo sympa. Bref, on va chanter une petite chanson avant et ensuite, je présenterai quelques-unes de vos chaînes parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Et pour me pardonner, pour me faire pardonner, je vais vous faire quelques pubs pour gagner des abonnés. Évidemment, moi, je n'en gagne pas beaucoup. J'ai perdu 2 abonnés, mais alors, je pense que ça doit devenir YouTube, mais tout le monde perd des abonnés en ce moment. Leur mise à jour, YouTube, évidemment. Serre les dents et il faut vraiment faire avec. En tout cas, merci en tout cas. Même si j'en ai pas beaucoup, ce n'est pas grave. Non, je rigole. Bon, ça suffit. Hein, on va pas pleurer parce qu'on a perdu 2 abonnés. Qu'est-ce qui perd des abonnés? Personne. Bon, voilà. Bon, surtout que bientôt, des événements vont arriver pour moi. Non, pas de bébé, je veux pas de grand-père tout de suite, non, mais ça va pas tarder, je vous dis, grand-père tout de suite, non, mais bientôt, voilà, je voulais vous dire, bientôt, je sais pas quand, mais bientôt, je sais pas quand ça va arriver, hein, va falloir acheter encore des couches, des biberons, enfin, pas, c'est pas moi, non, vous inquiétez pas, c'est pas moi, je veux pas être papa, j'en ai déjà 2, c'est bon, j'en fais plus, c'est bon, ah, non, stop, ça coûte cher les enfants, bref, en tout cas, très content de vous faire cette vidéo, bon, bref, allez, on est parti, je vous chante une chanson. Alors, vous allez me dire, ah, c'est du Johnny. Bah oui, c'est du Johnny. Mais après, je vous chanterai une autre chanson en dehors de Johnny. On chantera une chanson de Jean Ferrat. J'ai envie de rendre hommage à Jean Ferrat. Je crois que c'est Jean Ferrat. Je ne me rappelle plus le nom exactement. Bref. Je perds la mémoire. Tu te fais vieux, hein? Oui, bah, je sais, hein. En plus, je vais bientôt avoir 56 balais. T'imagines, toi, un papy comme moi, un vieux schnock. Enfin. Mais c'est pas vieux, 56 ans.
Mais non, c'est pas vieux. Ouais, tais-toi, le deuxième Franck, le troisième Franck. Putain, il y en a trois maintenant. Il y a le Franck snob, il y a Papy Franck et Franck tout court, moi. Hein, ils sont trois en moi, vous l'imaginez? Trois Franck Albert. Ah là là, mais on n'est pas dans la merde. Et encore, ma femme, elle a du boulot. Bon, bref, c'est pour rigoler. Allez, on est parti. Je vous mettrai une petite musique douce et puis je présenterai vos chaînes. Allez, on va chanter un petit peu de rock'n'roll. Et puis, je vous souhaite bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure, juste après la chanson. On se reparle. Oh yeah! D'un sans espoir qui déchire la nuit, d'un sans espoir qui brise ma vie, car le film que j'aime, c'est ce tonnoir qui l'emmène. Toute ma peine avec ce train sans retour. Toute ma peine, puisqu'il m'emporte de l'amour. Oui, là, sur le quai de la gare, je suis seul sans espoir, et oui, sans espoir. Oh, je l'appelle, mon cri perd de le bruit. Et je l'appelle, le train s'enfuit dans la nuit. Et y a toujours un train pour le début à la fin. Oh, et la fin. Sans espoir, qui déchire la nuit. Sans espoir, tu brises, c'est ma vie. Car le fil que j'aime, c'est ce train-là qui l'emmène. Oui, qui l'emmène. Oh yeah. Baby, ok, merci beaucoup. En tout cas, merci à JP pour cette belle chanson. JP, je te remercie vraiment pour cette belle chanson. Je te mets un j'aime et je vais te mettre un petit pouce. Ah, je peux pas mettre de commentaire, mon JP, mais merci à toi. Voilà, en tout cas, abonnez-vous à JP, un très grand chanteur, un très grand monsieur de la YouTube. Tu fais des très belles présentations sur sa chaîne YouTube. Bref, allez, on passe à nous maintenant. On va passer à nous, mes amis. On va passer à vous, à moi, à vous. Comme je le dis, j'aime bien vous faire plaisir, comme vous me faites plaisir, et on se fait plaisir mutuellement, et le cœur est gros avec beaucoup de plaisir. Le plaisir rend le plaisir, le plaisir rend le plaisir, le rend le plaisir rend le plaisir, je répète, et vous rend le cœur heureux et plein de bonheur. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bon, allez, on va sur ma chaîne YouTube, j'ai répété 10 fois la même chose, bref, papy, tu te fais vieux. Oui, ça c'est vrai, mais tu te fais vieux, Franck. Oui, en tout cas, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Ah bah, il est là, Louis, vous voyez, Louis était venu me faire un petit coucou. N'hésitez pas à vous abonner à lui. Bah tiens, je vais vous faire de la pub, il a fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps, je vais lui faire un petit coucou. Surtout, enfin hier. Ouais, d'accord, mon petit Louis, le beau Louis, il cherche une copine, il va falloir lui trouver une petite copine à mon petit Louis. Et je voulais vous présenter sa chaîne, le voici, le voilà. Bon, je vais reprendre notre chaîne à lui, puisqu'il est devant moi, on va reprendre un peu sa chaîne. Il était en live, je crois qu'il est toujours en live, hein. Ah non, il surtout, enfin hier. Voilà, mon petit Louis, désolé si je... Eh bien, bonjour à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça super, et bienvenue. On va couper la musique, mais d'abord, on va mettre une petite musique de fond, si vous vous permettez, parce que c'est vrai que c'est bien de mettre une petite musique de fond. Vous voyez, j'adore la planète. Oui, je suis un extraterrestre. Bon, ben, je rigole, évidemment, c'est une blague. J'adore les planètes, et on va mettre, évidemment,
On va faire un truc, oh là, impitoyable. Oui, ça, j'adore les westerns. Bref, on va mettre musique, sans droit d'auteur. Hein? Et on va faire une petite, comme ça fait longtemps que je n'ai pas été sur une chaîne, je vous fais vraiment une exception, hein. Parce que là, j'avais dit que j'arrêterais de faire ça, des pubs, mais bon, je vais le faire un peu, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, je vais essayer de... C'est vrai que je ne suis pas très souvent, alors ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas très souvent sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre flûte de pan, parce que moi j'adore la flûte, ça repose mon esprit, hein. Voilà, ça repose mon esprit. Et c'est vrai que j'adore la flûte de pan. J'aurais dû marquer pan, ouais, flûte de pan. Pas Peter Pan, hein. Pan. Hein, flûte de pan. Ok. Alors attendez, par contre, il va falloir que je baisse le son. On va mettre de la musique de pan. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. On va un petit peu baisser. On va baisser, hein, parce que là, il faut vraiment baisser. On va essayer. On va essayer d'apprendre quelque chose. Voilà, on va mettre celle-là. On va mettre celle-là, évidemment. Et on va baisser un peu la musique pour pas, évidemment, qu'on entende trop la musique. Voilà, c'est fait. J'ai baissé un peu le son de la musique. En tout cas, merci à vous d'être fidèles sur cette chaîne. Je regarde sur ce petit truc-là, voilà. La petite cloche de temps en temps. Alors, je voulais vous dire un truc par rapport aux cloches. Attendez, je vais m'abonner à cette personne. Voilà, parfait, très joli. Et n'hésitez pas de mettre la petite cloche et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, très belle, très beau. Ah oui, très beau, plus leak. Voilà, je mets un petit leak pour faire plaisir à cette personne. Bon, on va baisser un peu la musique parce que je la trouve un peu forte. Ah, on baisse un peu. Ah, je vais y arriver, hein. Voilà. Bon, voilà. Alors, je vais vous montrer, évidemment, la chaîne de Louis, parce que j'avais dit que je la montrerai, la chaîne de Louis. Donc voilà, on verra après Louis, hein. Oui, je t'ai fait une petite pub, mais voilà. Alors, on va aller sur ma chaîne YouTube. Je voulais vraiment vous remercier, vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour ma chaîne, c'est vraiment sympa. Voilà, donc je vais vous mettre. Mais c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Allez, ma chaîne, votre chaîne YouTube, la voici, la voilà. Ok, bon, alors là c'était la dernière vidéo. Vous êtes 565 abonnés. Merci en tout cas de votre fidélité. Bon, je remercie les 500 parce que les deux autres qui sont partis, je vais pas leur dire merci, sauf si c'est YouTube qui les ont supprimés. Évidemment, dis pas merci à ceux qui se partent, hein. Mais c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance, comme je vous ai dit. Des fois, il faut des fois avoir peu d'abonnés et avoir des gens fidèles, des gens qui sont actifs, que des gens qui ne sont pas actifs et qui ne font pas YouTube. Vous voyez, ça, c'est clair, c'est pas la peine. Hein. Je vous le dis entre nous parce que j'ai remarqué que quand des gens s'abonnent à vous, ils viennent que pour la pub. Et en fin de compte, souvent, les gens, quand ils viennent pour la pub, ils se désabonnent. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je prends un peu l'exemple de certains youtubeurs qui le disent. Je ne dirai pas leur nom, mais ils ont raison. Ils ont raison. Moi, je fais YouTube, mais je vous fais de la pub, mais je montre un peu vos chaînes. Je vous montre un peu ce que vous faites sur vos chaînes. Je reste pas très longtemps sur vos chaînes, mais je vous montre un peu ce que vous faites sur vos chaînes pour que de temps en temps. Mais comme ça faisait un moment que j'étais pas venu sur vos chaînes, j'ai décidé de vous faire un peu de pub pour vos chaînes. Pas tout le temps que je ferai ça, évidemment. Vous imaginez bien. Des fois, je ferai aussi un peu de jeu. D'ailleurs, j'attends la PS5 parce que je peux pas faire de live sur la PS5. Pourquoi? Parce que voilà, enfin sur la PS4, c'est à mon fils. Voilà. Donc là, on va aller tranquillement. Ça c'est ma chaîne. Pff, n'importe quoi. Oui. Bah, alors ça, on va mettre en pause. Vous voyez, j'avais mis ça. C'était ma dernière vidéo que j'ai faite. Elle date du 12 juin. Donc voilà. Je voudrais vraiment m'excuser si je suis pas tout le temps sur YouTube. Encore une fois, et je vous en fais toutes mes excuses. Non pas parce que je ne pense pas à vous, j'ai beaucoup de trucs à faire, hein, je vous dis, YouTube, voilà. Et puis peut-être qu'un de ces quatre, je vais arrêter parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je ne pourrais pas continuer. Parce que beaucoup, voilà, c'est comme ça, j'ai autre chose à faire, il y a plein de projets. Dans ma vie, j'ai des événements qui vont arriver, donc voilà. Et, bon, ça ne veut pas dire que je vais arrêter définitivement YouTube, je ferai des vidéos de temps en temps, voilà, comme je fais là, pour vous. Alors, on va commencer à présenter les chaînes des personnes.
Alors là, vous avez pas mal répondu. Ça fait quand même assez plaisir de voir beaucoup de personnes ici sur ma chaîne YouTube. Et je voudrais vous dire que si par exemple vous avez une petite cloche, avec une petite cloche d'une personne, on va prendre cette chaîne-là. Je voudrais remercier cette personne qui s'appelle Cuisine Passion 12, que j'embrasse très fortement. Et la remercier avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'amour parce qu'elle est formidable. Elle fait de la cuisine, elle et son mari. Et franchement, ça me fait énormément plaisir de te faire une petite pub pour ta chaîne YouTube. Donc là, j'avais mis déjà un petit pouce bleu sur sa chaîne. Elle m'a mis un petit cœur, évidemment, pour me dire merci Franck. Bah, je suis très content. Oui, je sais, papy. Lui, il adore les femmes, papy. Hein. Enfin, c'est normal, c'est moi. Bref, je voudrais remercier cette grande personne qui fait des super plats, qui fait des bonnes recettes. Et merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je répéterai jamais assez. Ça fait plaisir de voir des femmes qui font... je vais lui marquer pub. Voilà, pub plus leak, toi plus leak. Voilà, j'avais déjà mis un leak, mais elle regardera. Allez voir ses recettes. Je pense qu'elle mérite deux fois plus d'abonnés. Je voudrais bien qu'elle ait 100 000 abonnés. Tiens, qu'elle fasse un peu comme la salle, Quincy, en fait, tous ces grands youtubeurs. Enfin, la plupart des grands youtubeurs, après, dès qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, ils s'en battent les couilles de leurs abonnés. Hein. Pardon, excusez-moi de l'expression, mais c'est la vérité. Hein. Quand ils ont beaucoup d'abonnés, les gens, vous les voyez plus bien. Non, mais ça, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Faut pas se leurrer, après s'étonne, voilà, on s'étonne, bon ça c'est comme ça, que c'est comme ça, c'est la vie. Alors elle fait des, elle fait beaucoup de recettes cette jeune femme, avec son mari je crois, voilà, en tout cas j'embrasse toi, ta famille, ton mari j'y serre la main, toi et à tes enfants, je vous fais de gros bisous, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette personne, c'est quand même assez formidable, super, j'avais mis des leaks déjà, je t'avais mis des recettes, donc j'avais mis déjà des leaks, mais voilà, plus leaks. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à Cuisine 12. Elle m'avait fait une pub d'ailleurs, Cuisine 12, hein, il me semble qu'elle avait fait déjà une pub, oui, elle m'avait fait une pub. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à elle. Voilà, elle m'avait fait pour Franck Albert. C'est moi, Franck Albert, vous voyez, c'est marqué, Franck Albert, c'est moi. C'est toi, papy, c'est toi. Oui, c'est toi, papy, oui, c'est moi, voilà. Je vais changer mon logo, je vais marquer papy Franck, ça serait mieux, parce que là, Franck Albert, je vais marquer papy Franck Albert. Oui, je vais pouvoir changer mon logo, bon, bref, en tout cas, voilà. Merci en tout cas, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. En tout cas, elle fait des super recettes. Vous voyez, j'en ai mis partout. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne. D'accord, ça fera plaisir. J'ai mis des pouces partout. Cuisine 12. En tout cas, miam, miam. J'arrive chez toi. Hein. J'invite. J'arrive. Je sais que tu vas me faire des bons petits plats. Je vais me régaler. Ah, voilà. En plus, ça te cache bien. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à passer à Cuisine 12. On continue. On a mon ami Lesta 0825. Alors lui, c'est quelqu'un, super hommage à ce monument du rock français qui nous manque tous, grave, tous. Génial à toi, merci. Bonjour, c'est Johnny, il est gentil lui. Ouais, merci à toi Johnny. Bon voilà, alors lui, c'est pareil, il fait des trucs formidables. Il fait des jeux, je sais pas si c'est lui qui a mis sa tête là, mais en tout cas, c'est vraiment bien fait. En tout cas, merci à toi pour tes 648 abonnés. Il fait beaucoup de jeux vidéo. J'avais déjà mis un petit pouce bleu sur ta dernière vidéo, mon grand. Et je voulais en même temps te dire que bah, je suis très content de te faire... Oui, j'ai oublié de te mettre plus pub. Je vais te faire une pub comme ça, plus. Pub, parce que des fois, il ne doit peut-être pas voir. Ça serait bien. Alors, si vous voulez, plus pub. Moi, c'est pour ça que je disais que si j'ai pas trop d'abonnés, c'est pas grave que j'en ai 565 ou même 2. Hein. J'aurais eu 2 abonnés, c'était la même. Je veux dire, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est le nombre d'actifs. Des gens qui sont près de vous, qui sont actifs à vos chaînes, qui vous aiment, qui aiment vos chaînes. Moi, je sais que la dernière fois, il y a un YouTuber, donc allez vous abonner à lui, il fait des jeux vidéo. Hein. Je parle en même temps de moi, mais je parle aussi de à celui que je fais de la pub, qui s'appelle Lesta 0825. Il adore Johnny en plus, en tout cas, il m'a dit. Et n'hésitez pas, et je te remets un autre petit pouce bleu, parce que je t'avais pas mis un pouce bleu, voilà. Et je vais te mettre un autre commentaire, je vais te marquer super. Et puis, ouais, tiens, jeu d'héros, c'est pareil, il va falloir que je fasse la pub à lui. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur vos chaînes, mes grands, mais je vous assure, je suis vraiment désolé, les jeunes. Super vide, super jeu, donc je vais marquer leak, pouce bleu, ben, voilà, comme ça, vous savez que c'est moi, voilà. Donc je voulais vraiment, 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 vraiment vous remercier pour votre fidélité. Parce que vous êtes des gens formidables et vous êtes super gentils. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix.
la fidélité sur une chaîne, ça veut dire que dans la vie, vous êtes comme ça. Il y a des gens qui trichent dans la vie et c'est bien dommage. Voilà, n'hésitez pas à aller, je te remets un autre pouce bleu parce que ça fait longtemps que je t'en ai promis. Je vais rajouter des pouces bleus à chaque. Voilà, je te remets un autre là. Voilà. Désolé en tout cas de t'avoir loupé l'ESTA 0800-825. Il faut dire qu'après le boulot, quand j'ai fini, je suis fatigué, je suis naze. Je m'endors direct. Hein. Alors, des fois, je m'allonge avec ma tablette. J'ai envie d'aller sur des chaînes et puis je me dis, hein, je suis trop fatigué là, c'est pas la peine. C'est vrai, c'est comme ça la vie. Hein. Il fait chaud en plus. Bon, ça fait chaud. Je suis pas trop la chaleur, mais voilà. Non, je disais que. Si vous voyez la petite cloche, elle est barrée, c'est de vous de désabonner, de vous rabonner. Hein, c'est arrivé à, je vous montrerai la personne. Voilà, très bonne personne, très gentille en tout cas cette personne. Hein, n'hésitez pas à aller vous abonner à lui. On continue avec l'ESTA, c'est fait. On a Piu Piu Nef, il est papa. Hein, voilà, il est papa. Ça fait vraiment plaisir. Et puis je vous ferai aussi un diagnostic de ma chaîne. Après, je vais essayer de faire un diagnostic, une vidéo avec le diagnostic de ma chaîne. Ça fait plaisir parce que j'ai des gens de 50, 64 ans qui regardent ma chaîne. J'ai vu ça là. J'étais impressionné d'ailleurs. J'ai dit waouh, c'est cool. C'est bien pour une fois qu'il y a des. Je savais pas qu'il y avait des gens de 50, 55, 64 ans qui regardaient ma chaîne YouTube. Ben, merci à ceux qui sont les personnes âgées. Merci aux anciens, comme on dit. Ah, ouais, j'aime pas le mot âgé. J'ai dit aux seniors, aux gens comme nous, les anciens. Hein, ça fait plaisir. Hein, je voudrais en avoir plus des anciens. Hein, comme ça au moins on peut se comprendre. Nous, les adultes. Les grandes personnes, enfin les seniors, on va dire. Je dis les adultes, mais c'est aussi pour les jeunes, mais bon, bref. Donc, on va faire cette chaîne-là de ce monsieur que j'avais déjà mis un petit like. Je vais lui faire un petit coucou. Je vais marquer Elik. Plus de, voilà, il sera que j'ai fait une petite pub sur sa chaîne. Donc, ça fait toujours plaisir. Il est papa et il fait du jeu vidéo. Le voici et le voilà. Ça fait plaisir. En tout cas, je vais remettre un deuxième pouce bleu là. Je vois qu'il y a même des gens de certain âge qui ont 40-50 ans, qui ont mon âge, qui sont plus jeunes, qui font YouTube. Et ça, c'est très bien parce que ça donne un équilibre sur le réseau social de YouTube. Ça change un petit peu des jeunes. J'ai rien contre les jeunes, mais je trouve aussi c'est bien qu'il y a des gens de nos âges qui soient là sur YouTube. Hein, parce qu'il n'y a pas, c'est pas réservé qu'aux petits, c'est réservé à tout le monde. D'ailleurs, je comprends pas cette loi COPPA, pourquoi ils l'ont fait, parce que, enfin, bref, c'est mon avis, hein. La loi COPPA, c'est pas une loi, à mon avis, qui soit adaptable, parce que, on dit les mineurs, mais souvent, les mineurs, comme on dit, font YouTube. Donc, je vois pas, c'est un peu, il y a un truc qui est pas clair, là, non. Dans la façon que YouTube gère la chaîne sur la loi COPPA, hein. Non, je dis ça parce que, voilà, il y a un truc qui me semble bizarre. Je dis la loi COPPA pour les mineurs, non, c'est bon, bref. Qu'est-ce qu'on peut faire sur YouTube à part faire des jeux vidéo, parler, chanter ou faire des activités, faire du vélo, football même sur une chaîne ou faire des. Je vois pas ce qu'on peut faire à part. Je vois pas ce qu'on pourrait faire sur YouTube. Hein. Enfin, à mon avis, je sais pas quoi vous dire. Hein. Mais c'est un peu bizarre l'histoire. Bon, en tout cas, abonnez-vous à Piu9, voilà, il sera content. Voilà, hein, il a 17. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un. Merci en tout cas pour ta visite, Piu. J'espère que tu viendras un peu plus souvent. Bon, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je voudrais m'excuser en tout cas auprès de vous si j'ai pas pu évidemment aller très souvent sur vos chaînes YouTube. Je voudrais vous en faire toutes mes excuses. Hein, d'accord? Parce que voilà. On a une personne, elle est du Maroc ou Tunisien. Tunisie, je sais pas. J'arrive pas à lire la langue. Donc c'est un peu compliqué pour moi. On va aller sur cette. Alors, on va essayer de cliquer sur cette chaîne. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, elle fait aussi des recettes. Je ne sais pas c'est quel pays. Il faudrait qu'elle me dise quel pays. Je crois que c'est le Maroc ou la Tunisie. Merci en tout cas à cette personne. Alors, attendez, je vais peut-être écouter la langue. Alors, attendez, parce que c'est compliqué. Quand on ne parle pas une langue, c'est compliqué. En tout cas, merci à eux. Je suis content parce que j'ai de tout pays sur ma chaîne. Ça change. Comme l'arc-en-ciel, ça te donne des couleurs et ça me fait énormément plaisir. Voilà, j'aime pas les gens racistes déjà, donc les gens racistes, ils sont pas les bienvenus sur ma chaîne. Hein. Je vous dis franchement, les gens qui sont racistes, je les dégage direct. J'aime pas trop ça, moi, les gens racistes. Je préfère avoir des gens normaux. Le monde n'est pas fait que de noir et de blanc. L'arc-en-ciel est fait de 7 couleurs. De 7 couleurs qu'on connaît. Ah, je sais pas, je vois pas très bien la vidéo. C'est dommage. Mais
Alors, la langue, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est comme langue, mais en tout cas, elle est la bienvenue. Je vais marquer merci. Alors, je vais marquer bravo. Je vais marquer bravo. J'espère qu'elle a un traducteur parce que là, je ne vois pas bravo plus leak. Il faudrait que j'aille dans mon traducteur pour voir ce que c'est comme langue. Parce que c'est vrai que c'est, quand vous ne parlez pas une langue, bah, c'est un peu compliqué. Voilà, une petite pub. Elle fait des recettes, hein. En tout cas, elle fait des recettes, mais c'est bizarre parce qu'on voit pas les. Je vois pas bien ce que c'est. Ouais, c'est dommage. C'est dommage qu'on voit pas ce qu'elle fait. En tout cas, voilà, elle fait des petits trucs sympas. Alors là, c'est pareil, je suppose. Ouais, à mon avis, c'est son portable qui ne doit pas. Regardez, je sais, bon, c'est pas là. On va lui mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à elle, à cette personne, c'est une femme. Bonjour à sa famille, en tout cas, voilà, je sais qu'elle peut-être qu'elle parle pas ma langue. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Bref, on continue. Cuisine douce, c'est fait. Toi, c'est fait. Puis, c'est fait. Chris Sévier. Alors, Chris, c'est quelqu'un que j'ai connu sur sa première chaîne qui a été supprimée. Il fait de la pub le soir aux abonnés. Il a 631 abonnés. Hein, il en a, c'est pas mal, c'est bien. Il a 631 abonnés. Chris, je te fais une petite pub. Excuse-moi, Chris, si je ne suis pas souvent sur tes lives le soir. Non pas, comme je disais à Louis, c'est pas parce que je ne veux pas passer, c'est que je n'ai pas le temps et je suis très fatigué parce que je travaille énormément. Donc, je fais du télétravail. Donc, je voulais te remercier beaucoup. En tout cas, quand je suis pas sur tes lives, tu me reçois à bras ouverts. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi de ta fidélité aussi. J'espère que tu n'es pas désabonné de ma chaîne. Si tu ne me vois pas, c'est pas parce que tu ne me vois pas que je pense pas à toi ou je t'ai oublié. Non, pas du tout. Bon, m'excuser, voilà. Juste que c'est vrai que les jeunes, des fois, ils comprennent pas. Ils disent, oh, tiens, on ne voit plus l'abonné. Je ne sais pas pourquoi. Ben, parce qu'on a une vie, on a un travail. La vie n'est pas facile. Chris, donc voilà, je te fais une petite pub pour te remercier en tout cas de ta fidélité et de ta gentillesse. Ça fait vraiment plaisir. Et je vais aller voir une de tes vidéos sur tes derniers lives. Il est un peu comme Tom Sawyer avec son chapeau de paille. J'aime beaucoup Lou. J'aime beaucoup. Je lui marquais. Merci, super. Bonsoir les amis, bonsoir. Et je vais mettre le petit micro là. On va mettre ça. Voilà. Donc je voulais remercier. Attends, je vais voir un truc. Qu'est-ce qui se passe là? C'est fini? Ah non, c'est toujours la musique est toujours là. Donc je vais te marquer super super vidéo. Plus leak. Comme ça. Continue plus leak, vidéo, plus leak, continue comme ça. Bon, je vais pas mettre parce que je vais pas corriger à chaque fois vidéo, on sait que c'est vidéo, il n'y a pas besoin de mettre l'accent sur le clavier. Mais comme ça, plus pub, voilà. Comme ça, plus pub. Voilà, je te fais de la pub pour te remercier. Voilà, j'espère que tu écouteras mon petit message, mon petit Chris. Désolé Chris si je ne suis pas souvent sur tes lives, mais allez vous abonner à lui. Bon voilà, hein. Alors, donc je te remets encore un petit pouce bleu, là t'en as pris 7, 10 likes. Après les gens ils font ce qu'ils veulent, hein. Ça fait du... En tout cas comme on dit, même s'il y a des... Voilà, ça fait plaisir, merci en tout cas à toi, tiens je te mets j'aime. Voilà, je mets j'aime. Voilà, après c'est vrai que c'est compliqué, hein. Voilà, c'est compliqué, bah, là où j'avais déjà fait. Donc je vais te remettre d'autres pouces bleus, hein, t'inquiète pas. Je ne t'oublie pas, Chris, je ne t'oublie pas. C'est juste qu'il faut que tu comprennes que j'ai une vie et que c'est pas facile. Des fois, si tu vois pas les gens sur ta chaîne, que les gens ne sont pas actifs, c'est parce que soit ils ont du travail, un peu comme moi. Enfin, moi, je vois pas dire trop mon travail, parce que voilà. Je vais te marquer j'aime, voilà, plus lui. Je vais te mettre peut-être un autre commentaire, plus lui. Voilà, donc, il aime bien le football, je crois. Voilà, il aime bien le football. Il fait des jeux vidéo, il vous fait de la pub le soir. Quand il est en live, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne quand il fait des lives le soir. Donc, je te fais une grosse pub pour que les gens viennent sur mon live et s'abonnent à ta chaîne. Quand on a 631, tu m'as bien dépassé en tout cas. Ça fait plaisir. Mais c'est normal. Voilà, c'est le mérite. T'es jeune, t'es beau, t'as ton chapeau de paille. Comme on dit, vive Tom Sawyer. Voilà, je voulais te le dire. En tout cas, merci à toi de ta fidélité. Voilà.
Allez, on continue. Louis, c'est fait. Chris, c'est fait, pardon. On continue. Allez, pour Chris, c'est fait. Louis, alors Louis, c'est pareil, je vous ai parlé tout à l'heure, il était en live, j'ai fait un petit live pour lui, mais on va lui mettre un petit pouce bleu. J'avais déjà mis un commentaire à mon ami Louis, qui est quelqu'un de super gentil, je l'aime bien, il est très gentil ce garçon. Il est de Belgique. D'ailleurs, je passe le bonjour à la Belgique. Belgique, oui, je t'avais déjà aussi mis des pouces bleus. Tu vois, Louis, je t'ai mis des pouces bleus partout. Alors, ce que je vais faire, puisque je t'ai déjà mis des pouces bleus partout, parce que je sais plus comment faire, c'est un petit peu embêtant. Alors, moi qui ne devrais plus faire de pub, je vous en refais un peu parce que je trouve ça normal. Voilà. Alors, ça sera pas tous les temps les pubs, hein, évidemment. Vous savez bien, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. En tout cas, voilà pour ces vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Je vais prendre ta dernière vidéo où je t'ai mis un commentaire et je vais te marquer. Je vais te marquer un autre commentaire. Bravo. Bravo, plus leak, plus pub, voilà, je t'avais déjà mis un leak, mais bon, tu sauras que c'est moi que je t'ai fait une petite pub, mon Louis, et n'hésitez pas à activer la petite cloche. Donc, si vous voyez que la petite cloche est barrée, bah, c'est simple, des deux côtés, vous vous désabonnez, vous vous rabonnez mutuellement, parce que ça, souvent, ça arrive, je voulais le dire, voilà, je voulais vous le préciser, parce que, des fois, quand YouTube font des mises à jour, leur mise à jour, c'est un vrai bordel chez YouTube. Je demanderai à YouTube de faire attention avec votre logiciel parce que vous enlevez des abonnés, vous enlevez les activations des abonnés et c'est vraiment, je vais dire le mot, chiant. C'est vraiment chiant. Voilà, je le dis le mot. C'est français, chiant. Hein. C'est comme merde, hein, ça se dit. Hein. Voilà, chiant ou merde, c'est la même chose. Donc c'est chiant. Voilà, on va rester poli. Attention, moins de 16 ans. Chiant, c'est pas un gros mot. C'est chiant, t'es chiant, c'est pas un gros mot. C'est comment je veux dire. Chose, c'est pas un truc. Voilà, donc je fais une pub. Oh oui, 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 quoi, oui, tu voulais me demander quelque chose, oui, mais pas le tien, il est pas bon celui-là, tiens, j'ai été, pas le tien, ok, donc voilà, je voulais vous présenter cette petite vidéo de Louis, voilà, ce qui me parle, c'est ma petite chérie, ma petite femme, qui m'amène l'apéritif, parce qu'on boit le petit apéritif, on est samedi soir, petit apéritif, ça fait pas de mal. En tout cas, allez vous abonner à Louis, ça vous fera énormément plaisir. Et il a pas mal de petites vidéos sympas. Il en avait, je le connais. Oh bah, il y a des pouces partout. Comment tu veux que je mette des pouces partout? Donc voilà. Donc allez-y, vous allez vous abonner à Louis, oh Louis de Funès. Mais ça va très bien. Oui, Louis, il est revenu, Louis. Et donc, comment ça va, mon kiff, Franck? Ça va? Oui, ça va. Et vous, Louis? Moi, je vais très bien. Ok. Vous n'auriez pas vu Cruchot? Ah, Galabru, non, j'ai pas vu. Ah, vous voulez dire Louis de Funès? Ok. Il est là, Louis de Funès. Mon bon adjudant. Ah, vous êtes là, hein? Hein, Cruchot, vous êtes là, hein? Je vous manque à ce point-là. Oui, mon bon adjudant. Enfin, les deux, toujours en train de se parler. Enfin, ils se chamaillent, mais ils s'adorent. Hein. Cruchot et le bon adjudant, Gerbert, oui, c'est ça, c'est Gerbert, monsieur Cruchot, monsieur Galabru, Gerbert, mon bon adjudant, est-ce que vous allez bien, ma biche, ouais, c'est bon, allez, on y va, c'est parti, alors donc, vous abonnez à Louis, il sera content, allez, on continue, on va pas perdre de temps, on a Théo, alors Théo, d'abord, je te fais mes excuses, Théo, ça fait longtemps que j'ai pas été sur ta chaîne aussi. Donc, je vais faire qu'une vidéo là ce soir, j'en ferai une autre demain, on verra, je vais faire quelques vidéos ce soir. Voilà, là, je vous montre un petit. Là, il a sorti le dernier jeu. Il vous présente un jeu, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à Théo. Théo, je te mets un petit pouce bleu. Bon, Théo, je suis désolé si je suis pas souvent sur ta chaîne non plus. C'est pour ça que je me rattrape à vous faire de la pub pour vous montrer que je suis là, que je ne vous oublie pas. Si vous ne me voyez pas sur YouTube, vous inquiétez pas. Hein, c'est pas parce que vous ne voyez pas que je ne vais pas même des fois sur vos lives que je vous ai oublié. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Super. Alors, vidéo, on va marquer un petit truc, super vidéo, attendez, là j'ai mal écrit, vidéo, voilà, super vidéo, plus leak et plus pub, voilà, parce que moi il sera content Théo, moi j'aime bien Théo, il est super gentil, Théo le beau gosse, il a une jolie voix en plus, quand il parle, t'as l'impression que tu devrais faire de la radio Théo, parce que quand je t'écoute sur tes lives, oh là, attention, là il a sorti le gros paquet, j'ai pas vu cette vidéo, il faudrait que je la revoie. Il a sorti la PS4, c'est la PS4 qu'il a sorti. Il va me dire qu'il a acheté une PS4 quand même. Parce que avec la PS5, ce serait dommage d'avoir acheté la PS4 alors qu'il va sortir la PS5. Ah non, c'est le jeu.
Ah d'accord, ok, c'est le jeu, je vais regarder, c'est le jeu. Ah oui, c'est les jeux, d'accord, bah oui, il a trouvé. Ah oui, d'accord, il m'a fait, putain, une grosse boîte juste pour deux jeux. Non mais ils abusent ou quoi? C'est pas abusé ça, une grosse boîte pour deux jeux. Bonjour la planète Terre, hein. Je comprends qu'il y a une pollution. Bref, allez vous abonner à Théo. J'ai vu un peu la boîte, non mais franchement, hein, c'est quand même abusé. Bon, bref, ça fait vraiment plaisir. Tiens, allez, je te mets un petit pouce bleu déjà, et puis on va remettre, on va se rattraper, hein, sur les autres vidéos où je ne t'ai pas mis. C'est quoi que tu m'as appelé? Du Jack Daniel. D'accord, merci pour le Jack Daniel. Pub, Jack Daniel. Voilà, comme dans la pub, la vôtre. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à Louis. Voilà, Louis, n'hésitez pas à vous abonner à Louis. À Louis, à Théo, ah, ça y est. J'ai même pas bu, je dis le nom, n'importe quoi. Bon, Théo. Voilà, Théo, je te fais une petite pub. Merci en tout cas, mais en tout cas, bonjour. Voilà, il présente sa chaîne, il présente son truc. Mais putain, une grosse boîte pour trois jeux. Alors, je sais pas s'il y a trois jeux dedans ou un jeu, mais je trouve que la boîte, elle est un peu grosse à mon avis. Hein. Bon, bref, on continue. Je te mets un autre petit pouce bleu là pour te remercier, Théo. En tout cas, merci de ta fidélité, de ta gentillesse. Je te remets un autre truc. C'est bien 72. Moi, je voudrais bien avoir autant de pouces bleus. Hein. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, mais en tout cas. Ne soyons pas jaloux des uns des autres, nous sommes tous différents, on n'a pas la même façon de voir les choses, on n'a pas la même façon de gérer YouTube, donc voilà, et c'est normal, il y a des gens qui ont plus de succès que d'autres, qui est tout à fait normal, on peut plaire ou ne pas plaire à YouTube, et voilà. Enfin, bref, tu es très content pour le nombre d'abonnés, tu as un KO d'abonnés, bravo à toi Théo pour tes un KO abonnés. On continue. Je voudrais continuer avec d'autres abonnés, voilà, je te remets un autre pouce bleu là, pour finir, voilà, moi je t'avais déjà mis ces trois dernières vidéos, en tout cas sur quatre vidéos, je t'en ai mis quatre pouces bleus, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été sur ta chaîne. Allez, on a une autre chaîne, on a Temcross, le voici, le voilà, ben, le Temcross, il m'a fait une pub pour ma chaîne, il m'avait fait une pub sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous à Temcross. Voilà, Blinkross, le pauvre, lui, c'est pareil, il a pas de chance, parce que, voilà, je comprends pas les gens. Justement, ça fait vraiment plaisir, Black Cross, qui est un très bon youtubeur. Allez vous abonner à lui, il fait des vidéos. Il en a fait plein, attendez, j'ai pas été assez longtemps. Je t'ai mis des pouces bleus partout, donc évidemment, je peux pas en mettre partout. On avait déjà fait partout. Donc voici, voilà, il en a fait plein, comme ça. Voilà, pour moi, maman, je t'aime. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Tiens, je t'ai déjà mis un pouce bleu. Voilà, très très bien, en tout cas ça fait vraiment plaisir, le voici, le voilà, la banane, et ça fait énormément plaisir. On se parle souvent, il m'appelle souvent, il me dit ça va Franck, tu vas bien, Franck, il adore, il me dit je suis son youtubeur préféré, il me dit souvent ça, je suis son youtubeur préféré, il me dit souvent ça, en tout cas voilà, allez vous abonner à lui, je vous gosse là. Bah écoute, tant mieux, si ça te fait plaisir, ce que je fais sur ma chaîne, tant mieux, ça fait plaisir, en tout cas de voir un Jeannot, un Jojo comme ça, un petit Jeannot comme ça. Un petit gars comme ça. Alors lui c'est pareil, je vais vous présenter sa chaîne, il s'appelle Yannick Lano. Il fait des mixages de musique. Alors ça c'est vraiment super. Je vais lui mettre un petit peu de bleu déjà pour commencer. Je vais lui marquer pub. Bravo pour la musique. Plus pub. Plus pub pour ta chaîne. Il fait de la musique, il adore la musique, hein. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein. Je pense que c'est la première fois que j'ai fait de la pub, parce qu'il s'est abonné à ma chaîne, il a trouvé que c'était bien, et là, n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne, hein. Voilà, n'hésitez pas, il fait de la très très bonne musique, hein. Il compose, il fait au synthétiseur en plus, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne, je pense qu'il sera assez content si vous allez vous abonner à sa chaîne. Tiens, je te remets un petit pouce bleu, j'ai pas écouté son morceau. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à lui, ça fait toujours plaisir. Allez, on continue avec, donc ça c'est fait, n'hésitez pas à aller vous abonner à lui, hein. Je pense que ça peut l'intéresser. Nobre, alors lui c'est un youtubeur que j'aime bien, il s'appelle Nobre, en tout cas voilà, on parle souvent sur Discord tous les deux, c'est un adulte. Merci à toi, il présente des vidéos, je vous ferai un diagnostic de ma chaîne après, dès que j'aurai fini avec ça, je te mets déjà un petit pouce bleu. Alors là, je vois pas du tout. Voilà, il fait des trucs de France 3. Il aime bien le sport, hein, l'équipe du soir. Donc voilà, à mon avis, c'est le sport. Donc je vais te marquer super. Moi, les gens qui me laissent des commentaires, évidemment,
je n'ai pas le choix que de leur faire un petit peu de pub. Ouais, je vais revenir un peu à ça parce que je pense de faire un peu de pub. Les gens qui sont fidèles, qui veulent voir cette chaîne, eh ben, si veulent, vous voulez vous abonner, vous vous abonnez. Si vous voulez pas vous abonner, vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Je n'oblige personne à s'abonner à ma chaîne. En tout cas, cette chaîne, je m'abonne. Voilà, je te mets un autre pouce bleu là et je vais t'en mettre un autre ici à côté. Voilà, je te mets. Voilà. Moi, je suis pas très sport de regarder les trucs des sports. Je fais du sport moi-même, mais je suis pas trop l'équipe du soir. Mais j'aime bien, ça change un petit peu des chaînes d'autres chaînes qu'on voit tout le temps, qu'on regarde souvent à la télé, qu'on voit que du jeu. Ben là, ça change un petit peu. Il y a des gens qui aiment le sport. Allez vous abonner à cette chaîne-là. Voilà, merci pour lui. Ça fera plaisir. Voilà, merci pour lui. En tout cas, on continue. Il montre pas son nombre d'abonnés, par contre. Ça, c'est un droit. Ça, c'est dommage parce que, Nèbre, tu devrais mettre le nombre de tes abonnés parce que ça te donnerait peut-être plus d'abonnés à regarder le nombre d'abonnés que tu as. Enfin, c'est mon avis personnel. Hein. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Voilà. Allez, on continue tranquille. On continue à faire un peu de pub à tout le monde, là, ce soir. Alors, on a ce grand youtubeur aussi que j'aime bien. Voilà, il fait des jeux vidéo, il fait du jeu vidéo. Et on va présenter ta chaîne 324 abonnés. Bravo, mon grand. Pour notre nouvelle aventure sur. Bravo à toi. Il a beaucoup d'abonnés, cet homme-là. Il a ce jeune homme-là. Il a 2900 KO d'abonnés. Merci. Je ne sais pas ce qu'il fait sur ma chaîne, mon grand. Bah, en tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir sur ma chaîne YouTube. Je vais te mettre un petit commentaire pour te remercier. Super, bravo, plus leak, plus, voilà, ça fait vraiment, vraiment plaisir, plus 9, attends, une bêtise là, parce que j'ai mis un plus, voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne, j'adore les jeux vidéo, et en plus il est très bien, c'est un jeune homme, il est très bien, n'hésitez pas à aller vous abonner à lui. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à lui. Voilà. Je vous rappelle, il a beaucoup d'abonnés. Attendez, on va avancer un peu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. D'accord ? Voilà, plus que voilà. Donc c'est fait, c'est dit. En tout cas, merci à vous d'être fidèle sur cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir. On continue. Il fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur le jeu vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Je pense que ça vous fera énormément plaisir. Et je te remets encore un pouce bleu, hein, qui n'a pas aimé, ben, c'est pas grave. Comme je ne vais pas souvent sur ta chaîne, alors est-ce que, voilà, alors ça c'est un problème, vous voyez, j'ai une curiosité, c'est pour ça que je reçois pas les modifs. Donc là, voilà, je vais renvoyer, voilà. Ce qui se passe, c'est que YouTube, quand ils font les mises à jour, vous avez vu, dès qu'il y a un problème, j'ai pas la modif. Je peux pas savoir s'il est en live ou pas ce jeune homme, donc je peux pas aller dessus. Et si vous voyez ça, vous recommencez, vous vous abonnez pour vous abonner. Parce que voilà, ça veut dire qu'il y a un problème sur la chaîne. C'est un problème, c'est YouTube, encore une fois, qui font les mises à jour. Bref, ce n'est pas grave. Chose faite, je répare les erreurs. Voilà, en tout cas, je te remets un autre pouce bleu, là, mon grand. Voilà, je te remets un autre pouce bleu. Et tu en as plus de 300, bah, c'est super beau, c'est génial. Voilà, maintenant, je sais que j'ai les modifs. Je vais pouvoir aller sur ta chaîne. Et je vous rappelle qu'il a 2KO89 abonnés. Ça fait plaisir pour lui. N'hésite pas à aller vous abonner à lui. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Allez, lui, il aime bien les jeux vidéo des années d'avant. Ça fait vraiment plaisir. Cédric Crieffer. Ah non, j'ai confondu avec une autre personne. On va te mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo-là, pour te remercier. Je vais te mettre super vidéo, super jeu. Voilà, vous savez que je suis passé plus. Voilà, ça fait toujours plaisir, hein, évidemment. Vous comprenez bien que quand je fais de la pub, je vous fais de la pub. J'ai décidé de faire ça parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été sur vos chaînes. Donc voilà, il fait que du jeu, hein, donc il fait beaucoup de jeux, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Bon, je vais pas regarder jusqu'au bout les vidéos, parce que sinon je passerai mon temps à regarder et puis j'aurai pas trop le temps. Donc c'est pour ça que je me dépêche au maximum. Donc il s'appelle Cédric Griffer, Grifter, pardon, 13. Grifter 13, j'espère que je prononce bien, il a 267 abonnés. Puis on peut continuer,
J'aime bien son style, enfin, il est sympa, il est cool. Enfin, moi je sais que je vois beaucoup de jeux. Alors Asding, lui il est du Canada, lui il est de Belgique, il est de la Belgique, c'est ce youtubeur là. Attendez, on va retourner dessus. Voilà, on va retourner dessus. N'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne là, on va lui mettre un petit pouce bleu, il a 400 vues, on va lui mettre un pouce bleu. Il a 1K53 abonnés, et il est de la Belgique, ça me semble bon, ça me semble que je me rappelle. Parce que je vois à peu près les gens qui sont de la Belgique ou pas. Là, je vais te marquer génial. Je vais te marquer génial plus pub. Plus leak. Voilà. Je voulais te mettre un petit pouce bleu pour te remercier. Voilà. Je voulais vraiment te remercier de ta fidélité. C'est fait, c'est dit. On continue. Prestar, ça fait longtemps Prestar que j'ai pas eu d'abonnement à lui. 297 abonnés Prestar, bienvenue à toi en tout cas, je te mets déjà un petit pouce bleu. Je suis vraiment, vraiment désolé si je suis pas souvent, donc tu fais des jeux vidéo. Et je vais te mettre un petit commentaire, je vais te marquer bravo. Plus. Voilà, on continue. Hein. Voilà, ça fait toujours plaisir de mettre des petits pouces bleus comme ça à vos abonnés. Hein. N'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne. Je vous rappelle qu'il a 297, si on peut y passer les 300, bah, ça serait cool pour lui. Quoi. Vous voyez, moi, que j'ai pas d'abonnés, que j'ai pas trop d'abonnés, c'est pas, comme je vous ai dit, hein, c'est pas ma principale chose à avoir beaucoup plus d'abonnés. Je veux dire, ce qui compte, c'est d'avoir le contenu des chaînes et surtout l'activation des gens. Hein. Parce que d'avoir des abonnés, c'est bien. Mais si les abonnés eux-mêmes sont pas actifs ou qu'on les voit jamais, ça sert à rien d'être abonné à leur chaîne, vous voyez. Ou eux, ils s'abonnent à ma chaîne. Vous voyez, moi, ce que je voudrais, c'est avoir des gens qui soient toujours présents, qui laissent des commentaires. Non pas qu'ils viennent par intérêt en disant, bah, il fait de la pub, on va venir sur sa chaîne pour qu'il nous fasse de la pub. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. On doit faire fonctionner YouTube. YouTube ne fonctionne pas. On peut faire de la pub aux abonnés. Alors, mais de la vraie pub, pas de la pub comme ça pour faire plaisir, pour avoir des abonnés. Moi, je fais pas de pub pour que j'ai des abonnés. Si les abonnés veulent venir, ils viennent. Si les abonnés veulent pas venir, ils viennent pas. Vous voyez, je suis pas là pour ça. Quoi. Je suis pas là pour dire oui, je fais de la pub pour que d'autres abonnés viennent, pour qu'ils s'abonnent. Non, c'est pas comme ça. Moi, avant de m'abonner, je regarde si la chaîne me plaît. Si la chaîne me plaît, je m'abonne. Si la chaîne me plaît pas, je m'abonne pas. Et puis après, il y a le contenu. Hein, faut pas faire. Bon, je vois que j'aime bien les jeux vidéo. Sauf que moi je joue pas, mon fils joue aussi aux jeux vidéo sur son PC et sur PS4. Hein. Il a son PC, voilà, il sera abonné, bah, je m'abonnerai parce que je sais qu'il fait des jeux vidéo. Bon, je suis pas un grand fanatique de jeux vidéo, mais ça peut vous donner une idée un jour d'acheter un jeu parce que ce jeu me plaît ou. Voilà, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous rassure, je veux pas que vous venez sur ma chaîne juste parce que je fais de la pub. Si vous faites de la pub, si je fais de la pub, si vous avez vraiment ma chaîne, vous venez parce que vous aimez mon contenu. Si c'est parce que vous avez vu que j'ai fait de la pub aux autres abonnés que vous venez sur ma chaîne, juste pour ça, non, ça m'intéresse pas, je vous le dis direct, je préfère que les gens viennent en me disant Franck, on vient pour ta chaîne, comme là vous venez sur ma chaîne, vous êtes toujours fidèles, comme ce youtubeur là qui est tout le temps fidèle, voilà, comme vous tous d'ailleurs, vous êtes tous fidèles, parce que à chaque fois que je vois les commentaires, c'est toujours les mêmes qui mettent les commentaires, donc c'est pour ça que je vous fais de la pub à ceux qui me mettent des commentaires. Qui veut dire vous êtes vraiment sincère. Voilà, moi je vois les gens sincères sur ma chaîne. C'est pas vous pouvez avoir 10 000 abonnés. Si vous avez 10 000 abonnés qui sont pas actifs et qui sont abonnés à vos chaînes, j'en vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de s'abonner à une chaîne si eux-mêmes sont pas actifs sur leur chaîne. Vous voyez, donc vous abonnez à cette chaîne. Il fait des jeux vidéo. Moi j'aime bien. Il est tout le temps fidèle en tout cas, ce jeune homme là. Voilà, ce jeune, ces gens là. Enfin, vous voyez, c'est ça le but de YouTube, c'est pas de dire ouais je vais faire YouTube parce que le gars il me fait de la pub. Non non, ça marche pas comme ça, YouTube ne fonctionne pas comme cet abonné Prestar, il est tout le temps fidèle, il me laisse toujours des commentaires. C'est pas la première fois qu'il vient sur ma chaîne, il a 297 abonnés, il est présent. Vous voyez, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas, hein. Ça c'est important. Non mais je vous dis entre nous, c'est important. Ah, je suppose que je me suis trompé, j'ai pas fait la pub. Je vais te marquer pub. Bravo. Voilà. Moi, vous venez sur ma chaîne parce que vous êtes des abonnés, des anciens abonnés. Mais si vous êtes nouveau juste parce que vous venez pour ma pub, non.
parce que je sais qu'après vous allez peut-être pas rester. Donc, si vous venez parce que vous aimez le contenu, tant mieux, je suis content que vous soyez là sur ma chaîne. Mais si c'est pour juste parce que je fais de la pub aux autres et que vous venez pour ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je préfère le dire parce que ça fera pas de comme ça de différence en disant ouais Franck il nous fait de la pub pour avoir des abonnés. Je fais pas de la pub pour que j'ai des abonnés, je fais de la pub parce que ces abonnés sont fidèles parce qu'ils aiment ma chaîne. Voilà, c'est parce que vous aimez ma chaîne, sinon vous n'irez pas là. Vous seriez pas là. Et je vois toujours les mêmes qui me laissent des commentaires. C'est pour ça que je leur fais de la pub, comme le 0825 que j'adore. Puis vous, c'est pareil. Cette personne qui est étrangère, Chris, pareil. Louis, pareil. Théo, pareil, que j'aime beaucoup. Parce que c'est des gens comme. Je veux des stars comme Star 33. Bon, Star 33, c'est pareil. C'est un jeune garçon. Il a 14 ans. Mais bon, j'en ai pas beaucoup des comme lui. Hein. Je vous dis franchement, c'est un gamin, il est formidable. Il est super sympa, il fait beaucoup de pubs, voilà, il est en live encore, je pense qu'il est encore en live, mais je veux pas le, voilà, là il est en live, hein. Je vais lui marquer un petit mot, je te fais de la pub, voilà, là il est en live, bon, je vais pas l'embêter, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à lui, voilà, je suis en train de te faire de la pub, bon, non, je vais pas lui marquer, ce sera une surprise, voilà, il est en live, donc je vais pas l'embêter, vous voyez, là il est en live, je vais pas aller lui dire, voilà, parce que si je dis que je lui fais de la pub, tous les mecs de son... Tous ces potes là, ils vont venir sur mon live, sur ma chaîne pour s'abonner à ma chaîne juste pour la pub. Je sais comment ça se passe. Donc ça sera sur une vidéo à part. Je vais te marquer super. Plus pub. Parce que si je dis en direct que j'y fais de la pub. Vous savez quoi, tous les petits de son âge là, tous les jeunes de son âge vont tous venir sur ma chaîne pour que je leur fasse de la pub. Et ça, je veux pas. C'est pas, moi, je m'aime pas par intérêt, quoi. Je veux dire, comme moi, je disais, quand je fais de la pub, il a beaucoup d'abonnés. Ce jeune garçon, il est très mature. Il a 290, il a 280 vues et le nombre d'abonnés, je peux vous dire, c'est impressionnant parce qu'il est très mature. Il a 200 KO, 56 abonnés. Donc voilà, c'est un jeune. Mais voilà, si vous voyez, je vais sur son live, vous dites, je te fais de la pub, là en direct, j'en suis sûr que tous les petits là, enfin tous les jeunes de son âge, ils vont venir pour avoir de la pub sur ma chaîne. Mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, je préfère avoir des gens matures, parce que la plupart, malheureusement, certains youtubeurs ne sont pas matures. Vous voyez, c'est dommage. Il y a des gens qui viennent juste pour ça, que pour la pub, et c'est pas le but. YouTube, c'est pas ça. YouTube, donc vous abonnez à Star, si vous voulez, très gentil garçon. Allez voir ses lives, vous allez voir, il est super sympa. Donc, je vous explique parce que j'ai remarqué ça. Il y a des gens qui viennent juste sur YouTube. S'il y a des gens qui viennent s'inscrire sur YouTube, sur votre chaîne, parce que il y a des gens qui viennent voir, ils disent, tiens, il fait de la pub. Tiens, bah, je vais m'abonner à sa chaîne parce que peut-être qu'il me fera aussi de la pub. Vous voyez, c'est souvent comme ça. Et après, ils se désabonnent. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et j'écoutais Chris la dernière fois parler sur ça et il a tout à fait raison. Il faut faire de la pub, mais il ne faut pas attendre un retour des autres. Si je vous fais de la pub, c'est parce que ça me fait plaisir de vous en faire. J'attends pas de retour de votre part. Je sais que vous êtes là, vous êtes présent, je sais que vous me laissez des commentaires. Et le fait de me laisser des commentaires, je vois toujours, si je reprends toutes mes anciennes vidéos, je vois toujours les mêmes. Et ça veut dire que vous êtes des fidèles à ma chaîne et que vous adorez ma chaîne, que vous aimez ma chaîne. Ça, si je voulais vous le préciser. Allez, on continue avec ce youtubeur. Alors, on va continuer. Alors, est-ce que lui, c'est un... Non, là, c'est des chaînes qui sont pas du tout adaptées. Je vais aller voir plus bas. Je vais voir si c'est les bonnes chaînes. Vous voyez ? Voilà. Lui, c'est pareil. Vous voyez ? J'ai une barre là. Donc, ça veut dire que là, je peux pas accéder. Je peux pas savoir. Donc, je me désabonne et pour me rabonner. Et je rattrape la coche. Voilà. Le problème, il est là. À chaque fois... Ça me fait ça, à chaque fois ça me fait ça. Ça, c'est les mises à jour. Vous voyez, si vous voyez une petite cloche, vous désabonnez, vous abonnez et vous réactivez la cloche. Ça peut arriver aussi de votre côté de voir que ma cloche soit désactivée, vous désabonnez pour vous réabonner. D'accord ? Surtout n'oubliez pas ça. Là, je vous rappelle que cet abonné, il fait des jeux vidéo aussi, c'est un jeune, je sais pas. Donc on va. Ou un jeune, ou un adulte, je sais pas. Voilà. Donc on va marquer plus. Voilà, ça c'est ma grippe. Hein. Voilà. Oh bah c'est super Franck. Oui, merci papy. Voilà, n'hésitez pas à aller vous amener, je te mets un petit pouce bleu, voilà, pour t'encourager. Là, c'est pas. Non, putain, je me suis bourré là. Ah si, c'est bon. Attendez.
conneries quand même. Allez, mettre un petit pouce bleu là. Rajouter. Voilà, j'ai mis un petit pouce bleu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Non, j'ai même pas le temps de voir le nombre d'abonnés qu'il avait le pour. Donc il s'appelle. Je regarde sa scène, il s'appelle Tim Lord. Tim Lord Gamine. Gamine, c'est ça. Et on va te mettre. Attends, je vais te remettre un autre petit pouce bleu là. Si c'est pas déjà fait. Voilà, je te mets un petit pouce bleu là. Voilà, pour t'encourager. Pour ta chaîne YouTube. Voilà. On continue, tranquille. On avance. Non, parce que c'est vrai, il y a des gens, ils viennent juste pour une pub, quoi. Donc, non, non. Si vous êtes fidèle, c'est parce que vous êtes fidèle à ma chaîne, vous aimez ce que je fais. Voilà. Donc, voilà. On a le testeur du 51, c'est pareil, lui, il est tout le temps fidèle. Je remercie Jérémy suffisamment. Merci à toi, le testeur. Je te mets un petit pouce bleu. Je te mets génial, super vidéo. Alors lui, il prévoit des produits vidéo, je te marque. N'hésitez pas à vous abonner à ces chaînes-là, hein, d'accord? N'hésitez pas, voilà, il reçoit des... Donc là, il reçoit des petites, des trucs comme ça, et il fait des pubs, enfin des pubs sur des échantillons, après, que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces, un peu comme des parfums. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo de produits que ma femme m'a acheté. Voilà, ça fait vraiment grand plaisir. Merci à vous. Là, je vois qu'il y a 3 pouces. À mon avis, c'est pour me remercier. Merci beaucoup, Poto. Là, il n'y a pas de quoi. Plaisir, ok. Et ça fait toujours plaisir, évidemment, d'avoir des remerciements, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Je te mets un pouce bleu, déjà. Encore 2 pouces bleus, là. Voilà, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Hein. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Je pense que ça fera plaisir. Voilà, testeur 51, il fait des tests, c'est un homme, hein. Il aime bien les échantillons, si vous remarquez ça, voilà. Marie de Nice, ma Marie, bonjour Marie, très content, ma grosse, ma Miss Marie. Marie, avant tout, je voudrais te faire de gros bisous, je pense beaucoup à toi, je sais que tu es en Corse. Je t'embrasse bien fort, ma Miss Marie, parce que je t'aime énormément, toi et ta famille. Je te fais de gros bisous et mon cœur se bat à la chamade, je voulais te remercier. Marie, j'espère que tu vas mieux au niveau de ta santé. Je voudrais avoir de tes nouvelles. Je sais que en ce moment, c'est un peu chaud pour toi, Marie. Ne t'inquiète pas. Je t'aime beaucoup. Je ne t'oublie pas. Marie m'a fait énormément de pubs. Et je vais lui faire quelque chose. Je vais lui marquer. Bonjour, Marie. Marie. Gros leak. Plus pub. Pour ta chaîne. Marie, elle mérite tout mon respect. Je dis franchement, tout mon respect. C'est une personne que j'apprécie énormément. Voilà, je vous le dis, parce que faut bien que ça soit clair. C'est une personne que j'aime beaucoup. Ses enfants, sa famille ont beaucoup de chance de la voir, je pense. Et franchement, voilà. C'est comme ça, ces gens-là, quand j'aime une personne, je le montre vraiment. Et j'aime beaucoup cette personne, comme toute femme qu'elle est, et tout le respect que je lui dois, parce qu'elle est mariée, elle a son mari. Et franchement, merci aussi à Laurent, qui est Laurent, tiens, c'est un youtubeur. Laurent est un youtubeur, voilà. Alors Marie, je t'ai déjà mis un pouce bleu, ma Marie, mais on va présenter ta chaîne, Marie, parce que tu es quelqu'un que j'adore. Elle m'a fait de la pub. Je fais une surprise à une personne que j'apprécie, elle parle de moi, hein, elle parle de moi sur cette chaîne, elle parle de moi, de Franck Albert, c'est moi Franck Albert, voilà, elle m'a fait une putain de pub, ça m'a marqué cette pub, parce que je m'attendais pas du tout, hein, on s'attend pas du tout de voir des gens qui font de la pub, qui vous remercient à ce point-là, j'étais même très étonné, si tout le monde, tous les youtubeurs avaient cette mentalité sur YouTube, je pense que les choses passeraient très bien pour YouTube, on aurait une super communauté, mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, c'est dommage, hein. Mais c'est pas comme je disais, on n'attend pas de retour. Quand on fait, moi je fais de la pub, j'attends pas de retour. Voilà, j'attends aucun retour de personne. Je le fais vraiment parce que ça me fait plaisir. Et puis j'attends pas de retour de qui que ce soit. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Voilà, là, je montre les fleurs. Voilà, Marie, que j'apprécie énormément. Et là, j'avais déjà mis un pouce bleu. Bon, elle avait pris un dislike aussi. Bon, ça c'est malheureusement. Comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde, encore une fois, hein, c'est Noël. Elle est, Marie, c'est une femme formidable, que j'apprécie énormément. Hein.
Voilà, ma femme ne sera pas jalouse. Je la considère vraiment comme une amie. Je ne suis même plus comme une youtubeuse, je la considère comme une amie. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour toi. Allez, je te mets génial. Génial. Miss Marie. C'est Miss Marie, la plus belle. Vous avez marqué la plus belle. Plus slick. Plus pub. Voilà, elle sera contente. Je pense que ça la touchera énormément. Elle est simple. Moi, j'aime bien les gens simples. Elle fait des lives des fois. Attendez, je vais regarder. Ah oui, la cloche est activée. C'est bon. Ouf. Heureusement, Marie est très belle femme. En tout cas, très très belle femme, très gentille. J'espère que son mari va pas me casser la gueule. Non, je rigole. Non, non, mais Marie est très gentille et c'est comme, je la considère comme une amie. Hein. Voilà, je vous le dis franchement parce que franchement, voilà, c'est une femme que j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Et d'ailleurs, il devrait en avoir un peu plus des femmes sur ma chaîne. Je pense que ça me ferait beaucoup de bien d'en avoir un peu plus. Des femmes comme Marie et comme passagère d'ailleurs. Hein. Je vous parle de Marie. Abonnez-vous à Marie. Voilà. On a Marie, on a qui encore? Voilà, Marie c'est fait. Allez, on continue. J'en ai encore beaucoup comme ça. Ah non, ça va aller. Bientôt c'est terminé. Allez, on fait avec Love She deviendra. Demain je referai une autre, peut-être, je verrai. On verra. Salut à toi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché là? Attends, c'est quoi ça? Mais alors, pourquoi ça fait ça? Pourquoi quand je clique sur la chaîne? Marie c'est fait. On va appuyer sur. Ah, voilà cette jeune personne. Elle est très jeune, hein, 4, je ne sais pas quel âge qu'elle a, cette jeune personne, mais en tout cas, merci à toi de ta fidélité. Alors, c'est pareil, Love Anshid Yandra. Voilà, très très content de t'avoir sur ma chaîne YouTube. En tout cas, tu es toujours fidèle. Bonjour à toi et courage à toi et à ta famille. Cette femme, cette jeune fille est super sympa. Je vais lui marquer. J'avais déjà mis un like, hein, déjà, de quoi, j'avais déjà mis un truc. Mais je vais aller voir si j'ai pas d'autres vidéos où je peux lui mettre des petits pouces bleus parce qu'elle a tout mon mérite. Elle est super gentille en plus. Et ça fait énormément plaisir. Je vais prendre les deux dernières vidéos. On va essayer de mettre des petits pouces bleus. Voilà, je te mets un petit pouce bleu, jeune fille. Et je vais te marquer plus pub pour ta chaîne. Chaîne. Bise à toi et ta famille. Voilà. Voilà, je suis très content d'avoir des gens de différentes. Je sais pas si c'est les fricaines ou gentillesse, mais ça me fait vraiment plaisir. Voilà, très jolie en plus. Très intelligente. En plus, c'est une jeune personne. Voilà, je voulais le dire. Ça fait vraiment plaisir, ces enfants-là. Qui sont voilà des jeunes comme ça, qui font YouTube et qui ont du respect. Et ça me fait vraiment plaisir. Ah là là, c'est incroyable, ça me touche, parce que venir sur ma chaîne, moi je vois pas ce qui est très intéressant sur ma chaîne, hein, encore une fois, bon à part que peut-être c'est ma personnalité, parce que t'es gentil Franck, oui je sais, je suis gentil, voilà, allez, on continue, c'est fait, donc abonnez-vous à Love on the Sheet de Rod, Diandra, c'est joli Diandra, je connaissais pas ce nom-là, voilà, Alika, bonjour Alika, bienvenue à toi. Donc, on va te mettre un petit pouce bleu sur ta dernière vidéo. Voici, c'est fait. On va te mettre plus slick. Plus pub. Bravo. Voilà. T'as mon mérite. Tu mérites. Allez, on va aller voir quelques... Je suis vraiment désolé, les amis, si je suis pas sous genre sur YouTube en ce moment. Mais je vous assure, hein, c'est pas que j'ai pas envie d'aller sur YouTube. C'est que j'ai pas trop le temps. Voilà, on n'a jamais le temps, mais on a une vie. Et des fois, les gens, ils croient que... Et moi, je vois des gens tout le temps connectés sur YouTube, du matin au soir. Et malheureusement, ça, c'est pas bon. Voilà. Je faisais ça avant aussi, il y a qu'une époque. Mais je le fais plus parce que je vois pas l'intérêt. Pas l'intérêt d'être tout le temps connecté sur YouTube. En tout cas, voilà. En tout cas, merci à vous. Allez, je vous remets un autre pouce bleu. Je crois que je t'avais déjà mis un pouce bleu sur celle-là. Voilà, c'est fait. Je me rattrape sur le retard. Je vais essayer à faire un maximum de... Parce que c'est vrai que bon, vous êtes quand même 565. Mais si vous voulez, pour que je sois sûr que vous êtes bien abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. Ça, c'est super important. Alors, peut-être que vous n'êtes pas abonné, peut-être que vous êtes abonné. Alors, peut-être que moi, j'ai des abonnés qui se sont abonnés, que je ne suis pas abonné à eux. Hein. C'est possible aussi, ça. Voilà, avec cette belle, jolie musique de Pan. Ça fait du bien.
N'hésitez pas à aller vous abonner à Ika Gaming. Voilà. Allez, Sabrina. Alors, Sabrina, j'ai été sur son live, je crois, la dernière fois, il n'y a pas longtemps. Je vais lui mettre un petit pouce bleu. Donc là, je ne vais pas aller sur son live parce que, bon, là, comme je fais une vidéo et tout ça, donc je vais lui mettre un petit pouce bleu. Je vais pas la déranger. Je vais aller sur une de ses dernières vidéos. Voilà, je préfère. Parce que vous voyez, c'est pareil. Hein, si je vais sur Sabrina, je vais saluer Sabrina. Je suis en train de faire une vidéo et te faisant une pub. C'est vraiment embêtant. Mais en tout cas, c'était pour vous remercier aussi pour les 565 abonnés. Je suis pas aux 1000 abonnés, mais ça va peut-être un jour arriver. Qui sait ? Je sais pas si les gens s'intéressent à ma chaîne. Mais bon, on n'en est pas encore là. Je suis pas là. Voilà, je vais te marquer super vidéo. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est fait. J'ai mis une petite pub. Voilà. Il y a des gens que j'apprécie énormément sur ma chaîne. Et ça me fait vraiment, 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 vraiment plaisir. Voilà, je te mets un autre petit pouce bleu. Voilà, en tout cas, et je t'en remets un autre là. Parce que, voilà, comme encore une fois, hein, comme je disais, quand je peux aller sur des lives, j'y vais. Mais en ce moment, moi, ça va, j'ai un peu de temps, mais samedi. Je me détends un petit peu avec vous pour faire une petite vidéo sympa. Voilà. Attendez, voilà. Je vais se remettre dessus, voilà. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, on retourne là. Sabrina, abonnez-vous à Sabrina. Hein. Si vous n'avez pas, je vais vous abonner à Sabrina. Alors, passe à mon ami Raybox, comment il s'appelle? Rabu0. Lui, c'est pareil, toujours fidèle à ma chaîne. Donc là, je vais lui mettre un petit pouce bleu pour le remercier. Je vais lui marquer super. Aussi. Voilà, ça fait toujours plaisir, hein, évidemment. On peut toujours faire plaisir aux gens. Voilà, je te mets un petit pouce bleu, voilà, pour te remercier. Vraiment. Et puis, je vais te mettre un autre petit pouce bleu là, parce que tu joues à Fortnite, il fait des jeux vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Ça ferait énormément plaisir. Il m'avait fait aussi de la pub, ce jeune garçon, ce jeune homme. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à lui, hein, d'accord. Voilà. On continue, je me dépêche un peu plus parce que voilà, l'heure tourne. Il va bien finir à tout le monde. On a le jeu d'héros. Le jeu d'héros, il est du Canada. Bonjour au Canada et aux Canadiennes. Mon jeu d'héros que j'aime beaucoup, qui est papa aussi comme moi, et qui est un adulte qui vit au Canada. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, ça fait toujours plaisir. C'est mon ami, c'est quelqu'un. En plus, il a mon Instagram. D'ailleurs, je vous le mettrai si un jour vous verrez. Que je mets sur ma chaîne. Pour le moment, je le mets pas parce que je veux pas trop mettre mes réseaux sociaux sur ma chaîne YouTube. Mais bon, il y en a qui l'ont déjà, donc voilà. Il se passe le mot. Donc n'hésitez pas à vous abonner au jeu d'Héro. Je vous rappelle que jeu d'Héro, il a 1009 abonnés. Il a passé les 1000 abonnés. Merci pour lui. En tout cas, ça le fera énormément plaisir. Allez, on va aller sur ta dernière vidéo, mon jeu d'Héro. Très content de te voir. Je sais que tu travailles aussi, toi, t'as pas tout le temps, on peut parler week-end. Super vidéo. Plus clic, plus pub, mon ami. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à Jeléro, qui est un excellent youtubeur que j'apprécie énormément. Parce qu'à chaque fois que je vais sur ses lives, il me reçoit toujours à cœur ouvert, les cœurs, le grand bras ouvert. Je suis sûr que j'irai au Canada le voir, ou comme d'autres, je joue comme Mick, hein, Mick aussi, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Mick, ça fait longtemps que j'ai pas été sur sa chaîne, mon Dieu, il va falloir que je me rattrape, hein, parce que franchement, c'est pas d'excuse. Bon, après, c'est vrai que c'est pas facile la vie, encore une fois, je répète, hein, on peut pas faire ce qu'on veut, hein, dans la vie, parce qu'on est toujours occupé, on bouge tout le temps, on est tout le temps en train de courir partout, surtout en ce moment, hein, avec ce confinement qui nous a gonflé. Alors j'ai mis des likes partout, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à Jeu d'Héros. Très belle bannière, et en plus c'est un homme super gentil, c'est un papa super gentil parce qu'il est père de famille comme moi. N'hésitez pas à aller vous abonner à Jeu d'Héros, il fait des jeux vidéo et des fois il fait des lives le week-end, donc n'hésitez pas. Ah, j'ai une youtubeuse, la meuf du gamin. Alors la meuf du gamin, c'est une fille, une jeune femme que j'apprécie énormément. Bonjour à toi, je te mets déjà un petit pouce bleu pour te faire un petit coucou, la meuf du gam. J'aime bien son nom sur YouTube, la meuf du gam. Yo yo yo, la meuf du gam, j'aime bien, c'est sympa. Allez, je te mets un petit pouce bleu. Allez, clique,
bisous à toi. Bisous, parce que moi je l'ai embrassé, hein, c'est une femme. Ouais, bisous à toi. Voilà. Merci beaucoup, infiniment. Et abonnez-vous à cette jeune femme, super gentille, que j'aime beaucoup en plus aussi. Ça fait vraiment aller sur les lives aussi à Chris, je crois, ou à. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à cette personne-là, ça fait toujours plaisir. Et je te mets des petits pouces bleus pour mon petit retard. Hein. Vraiment désolé, la meuf du GAM. Je suis vraiment désolé, mais je te fais un gros bisou. Ça fait plaisir, hein, quand même. Hein. Ça fait vraiment plaisir de neuf du gars. J'ai pas vu le nombre d'abonnés que t'avais, par contre. Je vous rappelle qu'elle a 434 abonnés. Si on peut la faire monter, ce serait super sympa. Moi, j'aime bien. Elle est sympa. J'aime bien cette jeune femme-là. Super gentille, en plus, aussi. De toute façon, vous êtes tous gentils, hein. Je dis ça pour tout le monde pareil, hein. Mais c'est vrai que vous êtes fidèles, hein. Je vois toujours lui, c'est pareil. Alors, lui, c'est un inventeur de première classe. J'adore ce mec. Parce que ce mec, il est plein d'inventions. Il a fait une serviette, il en a fait un nounours. Je vous conseille d'aller voir ça un petit peu. Il a même des masques, il a fait des masques et tout. Il fait des trucs formidables, hein. Non, mais, sans déconner. Oh, si vous êtes. Après, il n'y a pas que les jeux vidéo, hein. Faut même aussi sur des chaînes, varier un peu sur des chaînes qui sont vraiment intéressantes. Alors, je comprends que vous, les jeunes, vous aimez les jeux vidéo, hein. On n'est pas contre, hein. Moi, je suis pas contre. Au contraire, moi aussi, j'aime bien les jeux vidéo. Mais, de temps en temps, ça fait du bien d'aller voir un peu d'autres chaînes. Apprenez un petit peu à vous cultiver, c'est très important la culture, d'apprendre des choses que les gens peuvent vous donner des idées. Parce que bon, les gens ils vont souvent sur YouTube pour les jeux, ils ne vont pas souvent sur YouTube. Okay. Voilà. Donc la petite cloche est bien activée. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, pour la petite cloche. Voilà. Voilà, il a été au musée de la cire. C'est parti. C'est quelqu'un de formidable, il est super, moi j'aime bien. J'aime bien cet homme, il est super sympa. Super vidéo. Vous êtes tous mes amis, vous êtes quelqu'un de formidable. J'aime bien cette famille aussi, les aventures de mon livre. Je suis abonné à ces gens-là. Voilà. Vous voyez, allez voir sa chaîne. Franchement, non mais. Faire un nounours, franchement, il fallait y penser à ça. Même moi, je pensais pas à faire ça, quoi. D'ailleurs, je vais essayer de faire un nounours avec des serviettes, ce serait marrant. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Vous voyez, il a pris une serviette de nounours, il a plié une serviette, le mec, il est intelligent. Ce mec, c'est un génie, je vous dis entre nous, c'est un génie. Voilà, allez voir sa chaîne, voilà, franchement, il fait des trucs de ouf. D'ailleurs, je vais regarder un peu plus sa chaîne, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Hein. J'ai pas eu le temps de faire tes trucs que tu fais, mais je te promets que j'irai voir tes petits trucs que tu fais sur ta chaîne YouTube. Ça fait vraiment plaisir. Ça change un peu, hein, des jeux vidéo. Non, mais sérieux, c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est vrai que ça change. Voilà, Disco, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à lui. On va dire son nom, il s'appelle Disco Evry Chanel. Ah, Cédric du Salon, ce jeune couple que j'adore ce couple, ils sont super beaux, ils sont super mimi. Ça fait plaisir de voir des couples aussi sur YouTube, ça change, ça donne du piment dans l'air, ça fait vraiment plaisir de voir des amoureux sur YouTube, qui font YouTube ensemble. Ils s'intéressent beaucoup aux jeux vidéo, aux anciennes consoles. N'hésitez pas à aller sur leur chaîne, franchement, c'est des gens super sympas. Voilà, ils sont là, les beaux tourtereaux, là, j'adore, je les aime bien, c'est les deux, là, ils sont mignons. Ils sont mimi, comme on dit, hein, comme on dira chez nous. Voilà, ça fait plaisir, ça change. À vous deux, je vais marquer bise, plus, clic, plus. Voilà, je leur dis parce que c'était vraiment des petits youtubeurs. J'aime bien les gens comme ça qui sont là, qui regardent et tout. Enfin, je trouve ça mignon, quoi. Je trouve ça, c'est beau, quoi. Et moi, je voudrais bien que ma femme fasse YouTube avec moi. Je trouverais, c'est super. On avait fait une chanson ensemble, mais après, elle a plus voulu. Je comprends pas pourquoi. C'est super bien, voilà.
Vous avez tout mon respect et tout mon mérite, mes chers les tourtereaux. Moi, j'appelle ça les tourtereaux. N'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne, d'accord? Ils ont 884 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on continue ensemble, les enfants. Avant que je finisse ma vidéo, ça fait une heure que je suis dessus, hein, vous êtes nombreux. Alors ce couple, ça sera le dernier en fin de compte, voilà, j'ai vu tout le monde, ça tant mieux. Alors ces gens-là, j'adore ce couple. J'adore ce couple parce que c'est des personnes d'un certain âge, voilà. Et franchement, je leur fais des gros bisous à tous les deux. Je sais pas combien de temps ils sont mariés, mais en tout cas, je voudrais bien savoir depuis quand ils sont mariés et ils chantent super bien. J'adore leur façon. Miss Bernie 33. Vous savez qu'est-ce qui m'a fait connaître ces gens-là? C'est Star 33 qui m'a fait connaître ces gens-là. Et franchement, je les adore. Il n'y a pas d'autre mot. J'adore des gens comme ça. Je voudrais en avoir un peu plus des gens comme ça sur ma chaîne YouTube. Je voudrais en avoir un peu plus des gens qui sont comme ça, qui viennent sur ma chaîne. Et si vous, Miss Bernie, vous connaissez des gens comme vous, n'hésitez pas à venir sur. N'hésitez pas à me les présenter sur ma chaîne. Je m'abonnerai à eux, il n'y a aucun souci. Parce que j'adore le genre de musique que vous faites. Vous chantez très bien tous les deux. Vous avez de jolies voix. Vous prenez plaisir à faire YouTube en chantant vos chansons. Et ça n'a pas de prix. Et ça, l'amour est éternel. Je le répéterai jamais assez. L'amour est éternel. Et ça me fait énormément plaisir de vous avoir sur ma chaîne YouTube. C'est eux qui m'avaient expliqué en disant « Franck, je ne sais pas si vous êtes encore abonné à nous. » Mais si, je suis encore abonné à vous, je vous adore. Et vous savez, je ne vous laisserai pas tomber parce que vous êtes des très bons youtubeuses et vous êtes des très bons youtubeurs, youtubeuses et youtubeurs. Et ça me fait énormément plaisir. Voilà, j'adore les gens comme ça. C'est des personnes d'un certain âge, je trouve ça très beau, je trouve ça bien. Même si j'avais des... par contre, je vois plus beaucoup... comment il s'appelle Il y a un groupe de chanteurs aussi... j'ai un peu plus son... Bref, c'est pas grave. Je trouve qu'ils sont, ils sont magnifiques et ils chantent très très bien. D'ailleurs, avant de finir cette vidéo, je vais arrêter cette musique-là. Je vais écouter une de leurs chansons parce que j'adore comment ils chantent. Vous allez voir, c'est du top du top. Hein. Franchement, des chanteurs comme ça, je voudrais en avoir un peu plus. Là, je mets un peu plus fort pour que vous écoutez comment ils chantent. Franchement. Je vais leur mettre vraiment... Attendez, on va écouter la dernière musique, j'ai pas écouté, on va écouter. Mais là, moi je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras, pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de la vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti les ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'a qu'à... Désolé, ça a un peu sauté, donc vous voyez, il chante vraiment, vraiment, vraiment très bien. Attendez, on va écouter une chanson. Non, celle-là, je l'ai déjà fait écouter. Attendez, on va en prendre une autre. J'adore ce qu'elle fait. Je ne sais plus comment te dire... Je ne trouve souvenirs. Je ne sais plus comment t'aimer. Je voudrais essayer de trouver une chanson où elle chante elle. Alors je sais pas si c'est ça. Je vais voir. Alors, je sais pas. Je reste un peu plus avec eux parce que.
chercher quelques rimes quand... Alors, juste derrière l'épaule, mais bon, enfin bref, vous verrez, vous écouterez cette chanson-là, franchement, c'est vraiment super génial. Il chante super bien. Ah, j'ai entendu, je croyais que c'était mon PC qui faisait ce bruit-là. N'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne. Allez, je vais leur mettre un petit pouce bleu. On va marquer superbe. Elle avait cerise sur son chapeau, la vieille. Elle se fait croire que c'est l'été. Au soleil, on s'en rassurait. Il paraît que la dame à la faux, c'est l'hiver qu'elle fait son boulot. C'est pas qu'elle tient tant à la vie, mais les vieilles, ça démanie, ça aime son fauteuil et son lit. Voilà, et n'hésitez pas à aller vous abonner à ces gens-là, à Miss Bernie 33. Merci en tout cas pour eux, parce que ça fait vraiment, vraiment plaisir de les avoir sur ma chaîne YouTube. Et voilà, Charles Aznavour hier encore, voilà. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas, parce que franchement, ils ont des super belles voix. Alors, je crois que c'est encore lui qui chante, ça, c'est pas le monsieur qui chante, ça, je sais ça. Vers les docks, où le poids et l'ennui, oh là là, me courbe le dos. C'est la femme qui chante, voilà, on fait écouter un petit bout. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits. Les bateaux, ils viennent du bout du monde en portant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirages, traînant en parfum poivré de pays inconnus et des derniers étés où l'on est presque nu sur les plages, moi qui n'ai connu. Voilà, je voulais vraiment vous montrer cette chaîne-là parce que franchement, c'est magnifique. C'est une chaîne, une très belle chaîne YouTube. Donc, si vous aimez ce genre de personnes-là, n'hésitez pas à vous abonner à ces gens-là. Je vois pas le nombre d'abonnés qu'ils ont, mais franchement, ils sont superbes. Voilà, je peux pas dire d'autre mieux. Ils sont superbes. Et merci à eux, parce que je sais que ils mettent pas leurs abonnés en ligne, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le bonheur qu'ils peuvent apporter aux gens. Et Monsieur, Madame Bernie, je vois 33. Enfin, c'est leur chaîne, Miss Bernie. Merci à vous, en tout cas, de ces beaux moments que vous nous faites passer. Moi, j'ai, des fois, de temps en temps, même si je ne vous mets pas de commentaires, je vous mets des pouces bleus, j'écoute vos chansons parce que j'aime bien ce que vous faites. Voilà, c'est tout. Voilà, en tout cas, cette vidéo va s'achever. Voilà, alors ça, c'est ma chaîne YouTube. Hein. J'ai fait une petite vidéo. Je voudrais vous faire écouter un petit peu ce que j'ai fait. J'avais mis une petite ambiance sur cette dernière vidéo. Toutes ces grandes chansons-là qu'on va reprendre ensemble. Et je vous ai mis une photo de lui. Voilà, de Johnny pour lui rendre hommage. Bah, il plaisait beaucoup aussi, quoi. Bon, on va pas faire que Johnny, j'avais dit histoire de France, qu'on le veut. Et là, voilà, donc c'est des chansons des années 60, et on va prendre une chanson des années 60. La plaque, ouais, notre avenir. La plaque, il nous faut partir, oh oui. Voilà, je voulais vous, vraiment vous montrer toutes les vidéos. J'en ai fait pas mal. N'hésitez pas à aller vous abonner et puis ça fera vraiment plaisir. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Vous êtes 565. Malheureusement, j'en ai perdu 2. Moi, c'est pas grave. Hein. 2 de perdu, 10 de retrouvé, comme on dit. Ce n'est pas grave. En tout cas, merci en tout cas. Comme je vous disais, je fais pas de la pub pour avoir des abonnés. Je fais de la pub pour vous faire plaisir à vous parce que vous êtes fidèles à ma chaîne, pour mes fidèles abonnés, et vous êtes fidèles, et j'en ferai d'autres, peut-être encore, peut-être pas tout le temps, malheureusement je ne fais pas tout le temps parce que je n'aurai pas tout le temps le temps, mais vraiment merci infiniment, n'hésitez pas à venir vous abonner, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas, même si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus, on peut parler, je peux vous faire regarder vos chaînes de temps en temps quand je pourrais le faire, voilà, mais je voudrais vous, vraiment que vous me pardonniez par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas trop le temps. J'ai énormément à faire, donc je vous le dis franchement, j'ai vraiment beaucoup à faire, mais je serai là près de vous quand j'aurai du temps, si le soir, parce qu'en ce moment je suis crevé, hein, je rentre la semaine, je suis claqué, je ne peux même pas aller sur les chaînes, tellement je suis naze quoi la semaine, donc là ça va, j'ai un peu de temps, mais c'est vraiment pas évident, voilà, c'est vraiment pas évident. Voilà, je voulais vous le dire, et hier je suis parti, on était chez ma fille, demain je rappelle que c'est la fête des papas, donc je sais que voilà, vous allez être gâtés par vos enfants, par vos femmes, je pense, comme moi, d'ailleurs, je vais être gâté, donc merci en tout cas à vous, merci pour tout l'amour que vous portez sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas que moi, je pense à vous, et je n'ai pas de regrets, en tout cas envers vous, merci en tout cas pour tout
pour tout. Hein, je ne peux pas dire, oh, bah, t'as bien raison. Voilà. Et papy, il est content. Papy Franck, il est content. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner aux chaînes YouTube. Voilà. Je te remercie pour ton commentaire et pour le pouce bleu. Et une bonne journée, bonne semaine. Voilà. Très bientôt. Restez en sécurité. En plus, une politesse, ce jeune homme-là, comme vous voyez. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Ça, j'adore ce genre de jeune-là, comme ça, qui parle comme ça. Je voulais aussi vous montrer le diagnostic de ma chaîne avant de vous quitter, puisque je dois vous montrer le diagnostic de ma chaîne. J'avais dit que je vous le ferais, je vais le faire tout de suite. Je vais aller dans gestionnaire des vidéos. Donc voilà, je vais vous montrer un peu, je vais regarder s'il n'y a pas des... Voilà, donc il faut aller dans tableau de bord, je crois que c'est ici qu'il faut aller. Et là, je crois, hein, parce qu'il faudrait que je regarde, mais il faudrait, parce que je ne sais plus comment il faut faire vraiment, je ne me rappelle plus très bien. Je ne sais plus si c'est tableau de bord ou diagnostic de la chaîne, voilà. Voilà, il faut qu'on regarde vraiment les diagnostics de la chaîne YouTube. Hein. Accéder aux statistiques des vidéos. Donc là, c'est le diagnostic des vidéos, voilà. Par contre, je regarderai plus tard parce que je crois que je ne sais plus comment il faut faire. Je sais qu'il faut regarder pour les diagnostics de la chaîne. Il faudrait que je vous remontre un peu ma diagnostic de ma chaîne, ce que j'ai. Mais j'ai vu que j'avais... je crois que c'est sur analyse. Voilà. Là, vous voyez, j'ai eu 788 vues. Vous. Et durée 31 heures. Ça me donne à peu près le diagnostic de ma chaîne. L'audience aussi. Ça vous donne l'audience. L'audience que j'ai eue sur mes dernières vidéos. Là, ça vous donne la couverture. Les aperçus, donc les aperçus, ils sont là. D'accord. De toutes les vidéos que j'ai faites, voilà, vous avez 80. J'ai eu beaucoup de gens qui ont regardé mes dernières vidéos. Donc, on va continuer. Hein. Je vais vous montrer un peu le diagnostic parce qu'il faut quand même. Voilà. Là, c'est le nombre de sources de trafic. Bon, là, je ne connais pas tout non plus. Voilà. Facebook. Je ne vois pas pourquoi il me parle de Facebook, mais bon, voilà. Ouais, voilà, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, attendez. Engagement. Audience, alors l'audience, bah voilà, hein, ça va jusqu'à 60%, je crois que c'est ça. Voilà, alors après, je sais plus le abonné, j'en ai donc voilà, les abonnés, j'en ai 360,7%. Non abonnés, ça veut dire que vous êtes 36,3%, donc ça veut dire 36 non abonnés qui sont venus sur ma chaîne pour vérifier voir ma chaîne, mais qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc là, AGSEC, voire plus, voilà. Donc, je vais vous montrer à peu près les diagnostics de ma chaîne. Alors là, je ne sais pas si on peut les voir. Je ne sais pas si on peut les voir, l'âge de la chaîne. Belgique, là, j'ai eu 0%. France, 20,55%. Alors, ce qui est étonnant, je pensais pouvoir voir, je crois que c'est sur mon PC portable. Je suis assez étonné parce que je voulais voir, en fin de compte, le nombre de... sur les dernières vidéos, hein, je vous parle des dernières voire plus, sur les dernières vidéos, voilà, ça c'est le diagnostic de la chaîne, donc voilà, vidéo, trafic, âge du spectateur, voilà, alors ça c'est quand même, alors là je vois pas non plus, alors les hommes, alors je comprends pas, ah ils ont complètement changé le truc, bon enfin c'est pas grave, donc ça me donne à peu près, je pensais voir, alors il faudrait que je regarde sur mon PC portable, parce que, ah voilà, voilà, c'est ça. Alors là, ça vous marque les âges. Moi, alors là, on voit pas les caractéristiques de la chaîne. Hein. Je vais regarder, je vais cliquer dessus. Non, je peux même pas en plus. Ouais, c'est bizarre ça. Normalement, ça me marque le. Là, ça me marque le sexe, âge des spectateurs. Et là, ça me donne rien. Alors attendez, peut-être que. Quoique. Attendez, si j'arrive pas à voir, c'est pas grave. Ouais, sexe, bon, c'est masculin, sauce, alors plus. Bon, bah écoutez, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah, c'est peut-être que j'ai mis un logiciel là-haut, là. Ça empêche de voir. Bon, enfin, bref. En tout cas, je sais que vous êtes entre 40 et 50 ans qui regardent ma chaîne. C'est ce que j'avais vu la dernière fois, le trafic. Donc, voilà, total. Bon, moi, je sais plus très bien. Bon, bref, en tout cas. Ça me donne pas vraiment. Je pensais voir le. Ça va me donner. Ah, peut-être qu'ils ont changé encore leur truc. Attendez, je regarde. Alors, ça, c'était au mois de mai, avril, juin. Ok.
Source d'abonnement. Là, ça me donne les sources d'abonnement. D'accord. Bon, ben, c'est pas grave. Vous savez ce qu'on fera la prochaine fois? Je regarderai. J'essaierai de trouver et de vous refaire, évidemment, le test pour voir le diagnostic de ma chaîne, comme j'avais fait il y a 6 mois. Voilà. Alors, attendez. Peut-être que si j'appuie sur plus, ça me donne quoi? Ben, ça me donne rien du tout. Parce que normalement, ça me donne l'âge, les âges. Et vous êtes entre 40 et 50 ans. Je l'ai vu sur mon téléphone, enfin sur mon ordinateur portable. Mais là, j'arrive pas à voir même le nombre dernier jour depuis l'âge, voire plus. Alors je clique dessus, mais ça, ah, là ça me donne le nombre de vues. Je vais essayer d'appuyer là pour voir ce que ça me donne. Non, bah non, c'est toujours pareil. Ok, bon, bah il y a un petit souci. Normalement, ça me donne le diagnostic là, vous voyez. Et là, ça me le donne pas. Pas pourquoi d'ailleurs. Bon, bref. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo de petite pub. J'espère que je vous ferai un petit diagnostic de ma chaîne YouTube. Je regarde, nanana, voire plus. On va regarder un peu. Maintenant, ça revient pareil. Ça revient pareil, c'est toujours pareil, total. Ça ne me donne pas grand-chose. Ça ne me donne pas grand-chose. Voilà. Voilà. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci en tout cas à vous. Je retourne dessus pour voir, on ne sait jamais. Hein. Ouais, je ne vois pas comment je peux voir. Non, Dionalidé, 32%. Ah, ok. Ok. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Bon, bref. Voilà, en tout cas, je sais que vous êtes un certain âge avancé, un peu comme moi. Ça fait plaisir. Beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. On ferait un petit peu un diagnostic. J'avais fait des fois une fois un diagnostic, mais j'arrive pas à le refaire. Donc, merci à vous infiniment. Voilà, c'est fait. Je sais pas ce qui se passe là. Je vais revenir en arrière. Donc, on va faire une petite chanson avant de vous quitter, comme d'habitude. Voilà, je ferai une petite chanson. On va chanter une petite chanson pour faire plaisir. Merci à tous ceux qui viennent regarder ma chaîne. Mais non, là, je reviens en arrière. Voilà, on va se mettre ici, on va chanter une petite chanson, on va trouver une chanson. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va marquer karaoké, comme ça vous pourrez chanter avec moi. On va pas chanter du Johnny, hein. Karaoké. Et on va chanter du Aznavour. Alors je sais, Aznavour, parce que quand j'ai écouté cette dame, ce jeune couple chanter. Alors, on va essayer à chanter cette chanson-là. Alors ça, c'est une chanson, c'est un grand monsieur de la chanson française qui nous a conduit, comme on disait. Alors, je sais pas si je suis abonné à cette chaîne. Ah, comme on disait, voilà. Alors, à Marianne, abonnez-vous à Marianne, surtout. Marianne, je te mets un petit commentaire. Voilà, je vais vous chanter cette chanson d'Aznavour. Ça sera ma dernière chanson, ce sera une chanson dans le calme. Voilà. Voilà, ou alors, je sais pas. Oui, je vais prendre celle-là, voilà, parce que je suis abonné à Marianne. Abonnez-vous à Marianne. Merci beaucoup, en tout cas, de votre fidélité. Nous allons chanter une chanson d'Aznavour. Ça sera une chanson, ça sera la dernière chanson. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Bientôt les grandes vacances pour les plus jeunes, donc et puis aussi aux plus vieux, ceux qui vont être en vacances les mois de juillet. Nous, les grandes personnes, on a comme moi, vous avez 2 mois, vous avez de la chance, les jeunes, voilà. Et en tout cas, merci à vous tous. C'est parti. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canarie et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave et j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit. Je laisse sans travestir, je suis artiste.
c'est un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après tise. Et dans la salle, je vois que les mâles ne croient pas à leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes. Dans un quelconque bar tabac, là on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On débat des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, en revêtant un calembour mouillé d'acide. On rencontre des tardés qui pourraient pâter leur tablé, marchands ondulants, peignant ce qu'ils croient être nous et se couvrant le pauvre fou de ridicule. Ça gesticule, paraît fort, ça joue les divas, les trésors de la bêtise. Voilà ce signe décalibré, ne laissant croire, puisque c'est vrai, je suis un homo, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre trouver mon boulot de solitude. J'ai mon rôle civil et mes cheveux, comme un pauvre tout malheureux de lassitude. Je me couche mais je ne dors pas, je pense à mes amours sans joie qui désirent les voir. Et ce garçon beau comme un dieu et sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche ne saura jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame. Car le jeu de tous mes tourments passe plus cher de son temps. Il est des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Mais je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable aussi. Je suis un homme, comme ils disent. Voilà, très belle chanson d'Aznavour, hein. C'est une histoire, bien sûr, c'est une histoire. Ouais, vraiment très très jolie chanson, moi j'adore cette chanson, enfin j'aime bien cette chanson d'Aznavour. Aznavour il en a fait plein, il n'y a pas que celle-là que j'aime le plus, mais c'est vrai qu'il en a fait des très belles, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Marianne, voilà, Marianne, une très bonne youtubeuse aussi, ou très bon youtubeur, je ne sais pas, en tout cas merci à elle. On va continuer peut-être avec d'autres chansons, hein. D'Aznavour, je vais essayer de trouver Aznavour. Allez, on va faire un peu, on va prendre Eddie Mitchell, tiens, pourquoi pas, on va pas prendre Eddie Mitchell, ce sera la dernière pour vous faire plaisir. Ouais, Eddie Mitchell, moi j'adore Eddie Mitchell. Voilà, j'aime beaucoup ce chanteur, Eddie Mitchell, le cimetière des éléphants, non, on va voir, tu peux. Alors, je ne sais pas quoi chanter de lui. On va chanter, je crois que c'est, je sais pas si celle-là, je peux la chanter, non, on va pas chanter celle-là, attendez, bougez pas, on va trouver une bien. Alors, on va trouver Henri Salvador,
Non, Eddie Mitchell. Alice. Allez, je vais vous chanter Alice. C'est une très belle chanson que j'aime beaucoup, Eddie Mitchell. Il est toujours vivant. Je voudrais vous chanter cette chanson. Ce sera la dernière chanson de la soirée. En tout cas, merci à vous. C'est parti. Et ben, je suis content de chanter pour vous une chanson. Et vous pouvez chanter avec moi. D'accord, Eddie Mitchell. Au pays merveilleux n'existe plus. Alice. On va la rechanter, on va la reprendre, on va la reprendre. Désolé. J'ai un petit chat à la gorge. On va la reprendre. Hein. Tu coupais, coupais, recommence, coupais. Et ben alors, qu'est-ce qui t'arrive, Franck? Bon, c'est pas grave, on est parti. Alice, ton pays merveilleux n'existe plus. Alice, quand tu sors du sommeil, tu n'y crois plus. Que j'ai cherché sans toi, notre des jours entiers. Je voulais vivre dans cet endroit, enfin de pouvoir t'aimer, t'aimer, Alice. Si tu entends ma voix, je supplie à toi, Alice, je t'en prie, réponds-moi, viens me chercher. Mais je t'en prie, viens me chercher. L'enfant que j'étais n'a cessé de t'aimer. Ce pays que j'ai cherché sans toi, j'observais des jours entiers. Mais je voulais vivre dans cet endroit afin de pouvoir t'aimer. N'existe plus, Alice, quand tu sors du sommeil, je n'y crois plus, Alice. Voilà, c'était la dernière chanson. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo avec quelques petites pubs. Je vous en remercie très infiniment. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Excusez-moi du petit trou que j'ai eu tout à l'heure en chantant. Mais tout est possible. Hein. On n'est pas en direct. Heureusement d'avoir fait une vidéo. Donc voilà. Donc merci pour vous. Alors voilà, c'était pour vous remercier beaucoup. Et puis je vous souhaite bonne soirée, bon week-end. Et je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde, à bientôt et gros bisous à vous tous. Et encore une fois, désolé si je ne suis pas tout le temps sur YouTube. Mais voilà, c'est les choses de la vie, on ne peut rien y faire. Vous êtes le maillon fort et pas le maillon faible. Vous êtes les meilleurs YouTubeurs que j'adore, je vous kiffe. Et encore une fois, je vous fais vraiment plaisir. J'ai envie de vous faire plaisir. Vous me faites plaisir. Et ben moi, je vous fais plaisir. Mon cœur bat à la chamade et je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir. Et n'hésitez pas à vous abonner.